C'est lancé. Hello. Hello à tous, le live commence dans 5 minutes. Posez-vous, prenez un petit chocolat chaud, un petit thé. J'arrive dans 5 minutes. À tout de suite. Coucou la petite folle. Installe-toi, prends un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud. J'arrive dans 4 minutes. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que vous entendez bien la musique? Salut Anthony68. Ça commence à 21h, soit dans 3 minutes. Je vous laisse vous installer tranquillement. Vous préparez un petit chocolat chaud. Au KLM, histoire d'être bien posé. Dans ce petit live dessin, les familles. À 21h pile, je lance la vidéo. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien la musique? Pouvez-vous me répondre merci? Bonsoir Clara. Comment vas-tu Clara Aquarium? Est-ce qu'on m'entend bien Clara Aquarium? Bonjour monsieur. Bonsoir Joris. 2 minutes. Et en effet, il ne reste plus que 2 minutes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous entendez la musique? Salut, Ashtarba. Vous entendez pas la musique? Est-ce que vous m'entendez? Re-bonjour, Glan Didier. À tout de suite, la petite folle. Est-ce qu'au niveau du son, c'est optimal? Super. Bonjour, Bastien. La musique est faible apparemment. Préparez-vous un petit chocolat chaud, j'arrive dans moins d'une minute, promis. La tisane est un très très bon choix. Dylan, bonsoir Dylan alors. Attention, j'arrive.
Hey! Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de dessin sur la BD Virus. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la BD Virus, je vous invite à regarder mon avant-dernière vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ce projet. Donc c'est une bande dessinée que je fais avec des amis qui sortira sur vos smartphones normalement vers Noël. On espère le faire pour Noël. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien 5 sur 5. Tapez tous 5 sur 5 si vous entendez très bien ma voix. Et tapez 5 sur 5 musique si vous entendez très bien la musique. J'attends vos réponses pour la suite. Pour l'instant, je m'ambiance. Sur 5, Captain. Ok, merci Clara. Heureusement que tu étais là, Clara. Je me mets dans l'œil du virus pour vous attendre. Hey, salut Arthur. Yello à tous, installez-vous. On attend que tout le monde arrive. Et c'est y part. Clara, est-ce que tu peux envoyer un petit... Il y a de la musique? Normalement, oui. Attendez, je vais essayer de régler la musique parce qu'apparemment vous l'entendez pas. Je reviens. Est-ce que là c'est bon pour la musique et pour la voix? Yo, salut Fanfan, coucou Fanfan, 5 sur 5, tout va bien. T'as 2 minutes de retard, j'ai pas 2 minutes de retard, ça fait 3 minutes que je suis là et que je vous attendais tous. Et pourquoi? Ok, nouvelle musique, je comprends mieux pourquoi la musique s'est baissée. Ok, yello à tous et bienvenue pour ce deuxième live pour la BD Virus. La BD qui sortira bientôt sur vos smartphones. Salut Soygain, ça va beau gosse? Mon ancien élève. Monsieur Shadowplay, salut à toi! Ok Clara, bisous et bonne soirée à toi, reviens bientôt. On t'attend et on t'aime. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le projet Virus, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui en parle. Petite vidéo qui dure 7 minutes, ça vous parle du projet avec tous les membres du projet. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Bon, pas tout pour pas vous spoiler. Salut Stoko, salut. Et du coup, je vais ensuite continuer la suite de la BD. Et pour ce soir, j'ai prévu un petit truc pour nous ambiancer. On va essayer de... cultiver notre culture générale en s'amusant. Donc j'ai prévu des petits trucs fun. Enfin, j'ai prévu. J'ai eu l'idée de. Après, vous allez m'aider. Et là, c'est pour l'entrée en jeu, mais après, je vais enlever mes lunettes. Hein. Vive la BD! Mais oui, vive la BD! C'est important la BD. Et du coup, là, ça sera dans vos smartphones gratuitement bientôt, normalement, j'espère que l'épisode 0 sortira pour Noël. À tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous montrer quand même la première partie de l'épisode. Donc, comment ça fonctionne? Alors, attendez, déjà. Hop. Comment ça fonctionne? En gros, ça va être du scroll. D'accord? Attendez, je vais déplacer ma webcam. Hop, on n'a plus besoin de voir ma grosse tête maintenant. Tac, dans le coin. Hop, voilà. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va, vous allez devoir scroller sur votre portable. Ok? Bon, ça fait un peu vert sur chez vous. Chez moi, c'est bleu. Hein. C'est juste que YouTube n'aime pas trop les couleurs. Ouais, je ferai peut-être des dédicaces. Franck devrait arriver. Ah, c'est cool ça. À demain. À demain, Clara. Bisous. Donc, comment ça fonctionne? C'est une bande défilée, sachant qu'il va y avoir plusieurs couches de dessin. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y aura peut-être le personnage principal en premier plan, le décor en deuxième plan, et ça va scroller, et quand vous allez scroller avec votre doigt, comme ça,
ça ne va pas aller à la même vitesse, c'est-à-dire qu'il y aura un petit effet de perspective, etc., etc. Là, je suis en train de préparer l'épisode 0. L'objectif est de finir l'épisode 0 le plus rapidement possible, pour après lancer l'appli, même s'il n'y aura pas grand-chose dessus, pour après le présenter à des boss, pour voir ce qu'ils en pensent, à des salons de la BD, pour avoir une sorte de grande communauté derrière nous pour avancer le projet. Donc la BD sera gratuite, je l'ai déjà dit. Dans cette BD, il y aura pas mal d'énigmes cachées qui vous donneront du contenu supplémentaire. Ouais, je mets du lien de soleil à 21h du soir, voilà. C'était pour le swag, mais après je vais les enlever, vous inquiétez pas. Ok, donc, ça commence comme ça, épisode 0. Donc, il y a les parties qui sont en couleur, bien faites et tout, et d'autres parties qui sont que au crayonné, ok? Donc, 2-3, c'est notre nom de groupe. 2-3 vous présente. Donc là, on a fait en anglais, mais on traduira en français, vous inquiétez pas. Je vous le lis en même temps. Open source USB disk, ça veut dire ouvrir la clé USB, quoi. La source dans le clé USB. Déplacer le fichier virus dans projet V. Suspense, que va-t-il se passer? Analyse du fichier. Le fichier semble infecté. Oh mon Dieu. Le mettre en quarantaine? Oui, non, non. Mouvement annulé. Le maximum de sécurité est activé. Fichier bloqué. Sortie de la commande, de la ligne de commande. Et là, on passe des petits V à des petites étoiles pour arriver dans l'œil de virus. C'est pas beau ça comme entrée? C'est pas beau ça comme entrée? Bonjour. Isaacos. Je suis le seul dans le chat. Ouh, non, t'es pas le seul. Non, t'es pas le seul. On était 5-6 tout à l'heure. Je vous regarde en même temps qu'Armageddon. Ça marche. Si les gens ont des petits trucs à faire, des dessins, lire une BD, jouer aux jeux vidéo, vous pouvez le faire en même temps que regarder le live, il n'y a pas de problème. Le live, ça va être du dessin, du blabla, tranquille, on va se marrer, on va faire poser avec une petite musique d'ambiance. Donc ça, c'est la première partie. Donc je suis obligé de faire en partie parce que Photoshop me permet pas de faire un scroll infini. Hello, Korok. Korox, je t'appellerai Korox. Mais non, Jackie. Suksun, salut Suksun. Yello à toi. Donc ça, c'est la partie 1. Et on était... Donc il y a la partie 2, 3, 4. Donc la 2, 3, je vous l'ai encore jamais montré parce que il faut quand même que vous ayez des choses à découvrir. Et là, vous avez la partie 5. Donc là, c'est au crayonné, ok? Donc là, Virus, donc notre petit personnage, est en train de tomber. Alors, est-ce que vous trouvez que ça se fait bien? Il est bien en train de tomber. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, mardi dernier. Moi, je mange. Eh ben, bon appétit, Arthur. Mange bien. J'espère que tu as mangé tes 5 fruits et légumes par jour, parce que c'est important. C'est très important. Erwan, Pelizzari. Souksoun, mais t'inquiète, 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 c'est comme ça. Bon, je vais enlever mes lunettes, ça suffit les conneries. Vous allez voir mon regard de braise. Je vais bientôt enlever la casquette aussi parce qu'il fait quand même super chaud. Donc c'est pour la... Ouais, en fait c'est une BD, ça c'est BD pourquoi? Pas pour bande dessinée, mais pour bande défilée. Tous ceux qui sont intéressés par ce concept, parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir inventé, hein. Il y a une application gratuite qui s'appelle Falaina. Donc si y a un modo qui veut bien mettre... qui veut bien mettre le lien. Falaina, c'est une application qui est vraiment géniale. C'est super, il y a de l'ambiance musicale. Oui, parce que du coup, nous, on aura de la musique aussi. Il y a de l'ambiance musicale, les dessins sont magnifiques, tout en noir et blanc. C'est vraiment stylé, je vous invite grave à y aller. J'ai un autre live vers 22h, mais pas de soucis, Titi Mini. Pas de problème. Merci, Joris. Ouais, sur tablette. Bon, une vieille tablette à l'ancienne, hein. Mon objectif, c'est si j'ai un peu de moyens, ce serait de m'acheter un iPad Pro pour dessiner sur l'iPad Pro. Relié à l'écran. Voilà. Le troisième, tu le trouves moins illustratif? Ah, attends. Bon, en fait, il est un petit peu plié. Donc ça, c'était des brouillons de la semaine dernière, ça. Parce que j'expliquais un peu comment je dessine, comment des petits tutos dessin. D'ailleurs, on va déplacer tout ça. Hop, on déplace. Je vous demanderai aussi de me rappeler de temps en temps à sauvegarder ce que je fais. Pour être sûr qu'on loupe rien, ok? Que si l'ordi plante, que je perde pas tout ce que j'ai fait pendant des heures, quoi. Donc ça aussi, on va le déplacer. Hop. Voilà, on est prêt à commencer.
Je trouve que les lignes au-dessus devraient être plus droites. Oui, alors, je me répète, hein. Ça, c'est du quasi-fini, d'accord? Alors que ça, pas du tout. C'est du croquis, je vais repasser dessus après. Ok? Donc, vous inquiétez pas, là, c'est vraiment le croquis, c'est pour savoir la longueur que va nous faire l'épisode 0, etc., etc. Je vous mets un petit gros plan. D'ailleurs, je pense même que je vais rétrécir... Je vais rétrécir le tout. C'est Falaina. Alors, je vous l'écris dans le chat. Falaina. Je crois que je vous fais une faute, mais en gros, ça s'écrit comme ça. Salut, Zeikos. Ciao, ciao. C'est pas grave les lignes, là. Les lignes je les ai fait à l'arrache pour comprendre le mouvement, mais en vrai, voilà. Donc là, l'objectif de ce soir, ce serait de faire la chute et qu'il tombe au sol. Poum, qu'il s'écrase. Si on arrive à faire ça pour finir pour ce soir, c'est cool. Donc ça serait deux, en deux ou trois dessins, ok? Mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être une étape, une. Parce que là, donc il y a un, deux, trois étapes pour montrer la chute. J'ai l'impression qu'il en manque une. Parce que ce qu'il y a avant, en fait, ce qu'il y a avant, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. On a une vue de son visage, de face. Je pense que l'idéal serait quand même de le mettre debout, penché, allongé, courbé. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il faut qu'on fasse une étape une avant. Reviens vite là, on a besoin de toi. Bah ouais, il est fort en dessin, il se débrouille quoi, c'est le minimum. Ok. Alors ça, on va le virer au fond. Ça, on sera plus dérangé par ça. Hop. Voilà, ce que j'avais fait, c'était ça pour les étapes. Donc l'étape 1 droit, étape 2 tordue, allongé, courbé. Donc là, ça donne ça. Courbé, tac, tac. Donc il faudrait une étape 1, quoi. On va essayer d'en faire une étape 1. Merci Fanfan pour le lien de l'appli. Fanfan, je viens de vous mettre le lien de l'appli. Falena, donc laquelle je vous parlais, sur laquelle on va beaucoup s'inspirer pour faire notre application aussi. Ok? Pour tous ceux qui sont intéressés du projet et qui veulent en savoir plus pendant le live, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement qui vous explique tout sur le projet. Ok? Voilà. Donc, je pense que je vais faire une première étape et je vais sûrement rétrécir. Parce que j'aimerais que ça fasse une belle courbe en fait. Donc, je vais les rétrécir là, ils sont trop grands par rapport au cadre, je vais voir. Et surtout, il ne fait pas de projet. Merci Joris, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Ok, bon, on va en faire un droit. Alors, brush, est-ce que mon brush a été sauvegardé? Ça a l'air pas mal. Ok. Donc fin du live à peu près minuit je pense hein. J'ai pas assez d'emplacement, c'est-à-dire. Alors, je vais pas beaucoup parler, mais je suis là parce que je surkiffe ce projet. Merci beaucoup, le fou. Encore une fois, je parle du fou parce que ce mec a beaucoup de talent. Donc, c'est un pote à moi qui tournera sûrement dans le court-métrage que je suis en train d'écrire aussi. C'est un mec qui fait des animations dans des jeux vidéo, c'est-à-dire, il se crée un personnage qu'il intègre dans un jeu vidéo. Il y a 15 épisodes, à chaque fois, c'est un jeu différent. Où il y a son petit personnage qui l'anime, donc image par image. Donc c'est un travail de dingue et c'est super bien fait. Et donc je vous invite fortement à aller voir. C'est vraiment vraiment cool. C'est un peu dans la folie. Donc sa chaîne s'appelle Bienvenue chez les fous. Et donc c'est un côté un peu crazy, un peu psychédélique, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut vous plaire. Ah. Ok.
Eh oui, le foot, t'inquiète, si tu parles pas trop, c'est pas grave. Salut le petit prof, comment ça, beau gosse? Comment ça, beau gosse? Quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo, petit prof? Mais bien sûr qu'à chaque fois qu'il vient, je lui ferai de la pub. Tous mes potes, je leur fais de la pub à chaque fois qu'ils viennent. Moi, je suis comme ça, moi. C'est la base. Donc, comme je vous le dis, il y aura des énigmes cachées dans la bande défilée. Enfin, des énigmes, des choses cachées qu'il faudra découvrir. Donc, vous aurez une barre dans l'application pour taper les trucs que vous trouvez. Et en fait, si vous trouvez le bon code, le bon mot, la bonne résolution, on va dire, vous débloquerez du contenu supplémentaire. Donc ça peut être une petite histoire en plus, ça peut être un mini-jeu, ça peut être plein de choses. Je crois que je vais être obligé d'ouvrir la partie 4. Je me rappelle plus exactement l'image qu'il y avait avant, il faut que ça soit lié quand même. Oh putain. Bam, bam, pa, pa, bam. Voilà le petit lien de la chaîne du fou. Du fou soyeux, comme dit Fanfan. Le fou soyeux. Oh, le café me remonte. Pardon. Excusez-moi, c'est un petit peu un colis. Bon, maintenant, je vais ouvrir le fichier 4 pour. Comme ça, déjà, vous allez voir de belles images. De ce qu'il y avait avant ça, en fait. Donc, pour l'instant, c'est coupé en 5 fichiers. Je pense qu'il y en aura 6. Moi je vous montre vite fait. Voilà, donc c'était comme ça. Donc il se prend un gros coup de jus. Là, vous comprenez pas, c'est normal. Hop, deuxième coup de jus. J'adore ce plan. J'adore ce plan. Avec les gouttelettes là. Comme vous pouvez voir, c'est enfin, c'est du brouillon. C'est un crayonné propre, mais ça reste un crayonné. Ok? Oh Bobo la tête, comment ça va mon ami? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis Dijon. Ah ouais d'accord, donc on le voit de face. Donc là c'est voilà, c'est un brouillon, on est d'accord. Hein. C'est pas la même qualité que ce qu'on peut voir avant. Donc on le voit de face. Il était comme ça. Ouais. Ok. Du coup ça va pas du tout. Ambiance. Il a les yeux fermés. Là, quasiment. Là, il est en train de perdre le conscience. C'est quand votre anniv? Mon anniv, c'est en janvier. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi tu veux savoir c'est quand mon anniv, wesh? Pour l'instant, je fais les traits grossiers et après je vais affiner au fur et à mesure. Hein. Vous inquiétez pas. C'est comme ça que je fonctionne. Bouche ouverte, ok. Bon, je te laisse. Salut, Sokéine. Ah, petit montage tranquille. Fais-nous ça, fais-nous ça. À plus, du coup. À bientôt. N'hésite pas. Merci d'être passé. J'ai foussé le. Moi, c'est le 4 janvier.
Et le fou, c'est le 24 septembre. Oh, mais ça veut dire que c'est super bientôt. 24 septembre. Ah, du coup, le corps n'est pas du tout proportionnel. On verra après. On verra après. J'ai envie de faire bien la tête, histoire d'avoir une belle. Le micro me gêne. Voilà. Alors déjà, tous ceux qui restent sur le live ce soir, sachez que vous êtes en train de louper Tanguy, qui passe à la télé, et Sex Friend. Donc deux chefs-d'œuvre du cinéma. C'est bon, lol. On rigole, ok? Ça va, tranquille? Je suis un ça marche, merci à toi, Sokane. Bon courage pour ton montage. Ouais, ça me dit une tablette graphique, mais en fait, si tu veux, ça fait un moment que je veux m'en acheter une. Mais à la base, en fait, je t'explique. Je voulais m'acheter celle à 700 boules là. En fait, avec les écrans. Tu vois? Mais déjà, c'est très cher. Donc, c'est un petit moment avant d'acheter ça quand même. Et deuxième chose, il y a l'iPad Pro qui est sorti avec le stylet. Et que beaucoup de dessinateurs disent que c'est mieux que les Wacom. Hello, c'est quoi le but du live? Ok, je vais t'expliquer. Je vais essayer d'être clair, net et précis. Je t'explique. Voici Virus. Virus, c'est un virus informatique à qui lui arrive des aventures. Moi et des amis avons décidé de créer son histoire. Une bande défilée. Pourquoi défilée? Parce qu'elle sera défilée sur ton smartphone, accessible à partir de décembre ou janvier si tout se passe bien. L'histoire, donc là, il y a des. J'en suis dans les brouillons. En gros, je t'en dis pas trop plus, mais c'est une bande défilée, donc une bande dessinée sur smartphone, que tu vas donc défiler sur ton smartphone, ça me semble logique, dans lequel il y aura des petites choses cachées que tu pourras débloquer pour avoir du contenu supplémentaire. Voilà, donc c'est une application qui sera totalement gratuite, bien entendu. Non mais les gars, ne dépensez pas une fortune pour m'acheter une tablette. Mon but à moi, c'était du coup de m'acheter un iPad Pro. J'ai vu un iPad Pro il n'y a pas longtemps qui n'est pas très cher. Qui était à 500 balles au lieu de 1000 balles. Un bon iPad Pro, un très grand, les plus grands, avec le stylet. Et ça me plaît bien. Parce qu'en fait, là, j'ai une tablette simple, et j'aimerais une tablette où on peut dessiner sur l'écran. Ce qui serait quand même beaucoup, beaucoup plus stylé. Alors, Integra Wolf Queen. Integra Wolf Queen. Welcome to the channel. Je t'invite, si ce projet t'intéresse un petit peu, à aller voir l'une des deux mes dernières vidéos qui parle uniquement de ce projet. Ça dure 7 minutes, il y a les trois créateurs du projet, sachant qu'il y a aussi une bande son à la derrière, etc. Donc il y a pas mal de choses. 7 minutes qui parlent à fond du projet, comment ça nous est venu, etc. N'hésite pas à aller la voir. Et à me dire ce que t'en penses après, si tu veux rester avec nous, bien sûr, après le live. Je sais pas si t'entends la musique, j'espère que vous l'entendez, parce qu'elle est cool. Donc comment il était avant? Il était comme ça. Comme ça. Là, il est comme ça.
Putain, il a pas la tête assez en arrière. On va tricher parce qu'on est sur Photoshop. Merci Intra, n'hésite pas à passer. Donc les gars, ce que je voulais pour animer un peu la soirée ce soir, c'est histoire de ok, je me suis trompé de raccourci. Putain, il sort l'initiation d'outil texte qui nous sert à rien. Je voulais la transformation avec un T. Salut Mohamed, ça va? Second PEL. C'est au grand duel, ça va tranquille. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire. Alors, deux petites secondes, je fais mon truc un peu technique. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, je voudrais un petit peu animer cette soirée. Alors, je vous propose, vous baladez sur. Si vous avez rien d'autre à faire. Hein. Vous baladez sur internet, vous trouvez des questions genre Trivial Pursuit et vous me les posez. Et donc on verra s'il y en a qui ont la réponse dans le chat et tout, il y en essaiera tout ça. Oh, attends. Glenn Didier, attends. On en parlera si tu veux. Attends. Vous emballez pas à acheter des trucs de ouf, hein. On va voir. Parce que moi à la base je voulais avec les des dons avec les dons Tipeee et tout ça, je voulais m'acheter l'iPad Pro. Donc qu'on s'amuse pas à payer deux choses en même temps. Oh putain. Donc alors, un là, une tentacule là, une là. Une, deux, trois. Quatre, cinq, six. Ok. Hey, c'est Sarah. Salut Sarah! Comment tu vas, Sarah? Ça se passe la rentrée, malgré que je ne sois plus votre professeur. Pour l'instant, je les fais à l'arrache les tentacules, mais après on. Ok, le corps, c'est parti. Là, il y a le bassin. Bah ça va, c'est trop nul. Mais non, faut pas dire ça. Est-ce que ça marche là? Ouais, ça va le faire. Quand j'aurai tout mis aux bonnes proportions, ça devrait le faire. Tac, tac, tac. Tac. Je lis ce dessin. Merci. Oh, The Green Comedy, mec. Depuis le temps que je voulais te parler, j'ai vu que tu t'étais abonné à ma chaîne il y a un petit moment avec le live d'Antox. Et mec,
J'ai regardé tes vidéos avec un pote à moi et tu nous as trop fait penser à nous quand on était gamin, quand on faisait nos petits sketchs et tout, c'était trop cool. Et là, j'ai vu ta poussée de croissance, mec. J'ai vu à quel point ta chaîne elle a grave progressé. Et je t'ai vu aussi à la télé, ce gars, donc The Green Comedy, il a passé à la télé, il a fait une pub pour une marque de bonbons, je crois que c'est Carambar ou Malabar. Non, Carambar. Et du coup, voilà, c'est un petit jeune qui fait des petits sketchs et tout, franchement. Donc franchement, voilà, il est jeune, c'est amateur, mais franchement, il a du niveau et je pense qu'il y a moyen que plus tard, il envoie du lourd. Parce que déjà, ce qu'il fait, moi, ça m'a déjà fait marrer, alors que d'habitude, les gamins, voilà, on se dit, bon, ça, c'est toujours des blagues pipi caca, mais on voit qu'il aime ce qu'il fait et on voit qu'il est dedans, quoi. On voit qu'il kiffe ce qu'il fait. Donc voilà, franchement, je vous invite à voir un peu ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. The Green Comedy, lui et son pote. Un petit moment que je vais te parler, mais à chaque fois, mec, j'oublie. Et quand je t'ai vu à la télé, j'ai fait, hé, hey, mec, j'ai appelé mon pote, j'ai dit, mec, va voir et tout, c'est Green Comedy, passe à la télé. Et du coup, il me dit, mais non, c'est pas possible. Je fais, mais si, mec, je ne croyais pas. Et du coup, après, on l'a cherché sur YouTube, mais on l'a pas trouvé sur YouTube pendant un bon moment. Au début, il y avait le Black, la fille, mais il n'y avait pas toi, parce qu'il y a eu trois versions de cette pub. Tac. Donc ouais, c'est un peu le bordel pour l'instant mon dessin, mais vous inquiétez pas, hein, petit à petit on va améliorer ça. Oh, il y a un problème de proportion là. Merci Fanfan pour le lien de la chaîne. Donc ceux qui sont intéressés par ce projet virus, je vous invite à follow la page Facebook. Cordialement. Ça marche, Green Comedy. Mais dis-moi, t'es dans le sud, toi? Il me semble que t'habites vers le sud. Green Comedy. T'aurais été vers Strasbourg, il y aurait un moyen que je te demande de participer à certains projets. Mais là, ça va être compliqué dans le sud. Ça va coûter cher, quoi. Pour des petits projets à la con. Il y a clairement un problème de morphologie, là. Les petites fesses postérieures du jeune homme. Barcelone. Oh, t'habites à Barcelone? Du coup, tu vas dans un lycée français. Parce que tu parles super bien français, t'es français, non? T'as des potes de YouTube? On sait qui tes potes de YouTube? Ah, mais je suis con, moi. Bonjour, vous avez stream avec OBS? Oui, AlexCraft68, je stream avec OBS actuellement. Parce que c'est le seul que j'arrive à faire fonctionner. Lol. Elle est cool la musique qui passe là. J'espère juste que YouTube va pas m'emmerder avec les droits d'auteur, mais. Alors, parce que j'ai mis lecture, c'était des musiques d'Antox à la base. J'ai mis lecture et hop, ça a mis plein d'autres musiques. Donc après, tant mieux, hein. Petit nettoyage des traits dégueulasses. Il a un menton un petit peu trop protubérant. Histoire d'utiliser des mots un peu non ordinaire pour cette soirée. Voilà, c'est déjà un peu mieux. AlexCraft, il y a moyen.
Si ça te dérange pas, on en parle plus tard. Parce que là, je peux pas faire l'agrage maintenant, sachant que ça peut le porter. Mais là, vous la voyez pas bouger? Ah bah non, truc sur fond blanc, vous devez pas voir grand chose. Et deuxième chose, Green Comedy, ouais, y a moyen. Mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de projets en ce moment. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais je peux. Merde. Je peux essayer de faire quelque chose. Salut Shadoko, notre nouvel abonné depuis la semaine dernière. Bienvenue. Bienvenue sur le stream de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé. Ça y est, t'es prêt à m'écouter. Je te le redis parce que t'étais pas prêt. Mon blaze, c'est MRP. Lol. XD. MDR. Ok. Tac tac tac, tentacule, tentacule. Si je te prends. Non mais s'il vous plaît, commençons pas à parler de cul là. Mec parle tout seul et il s'engueule tout seul. Super. Super. Appelez les urgences, monsieur. Prof, il a un problème. Hey, salut toi. Salut Thomas. Comment ça va, Thomas? Ma casquette de Fallout. Alors, pour ceux qui auraient reconnu, c'est aussi ma casquette pour mes 111 ciné. Parler d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Voilà. Et bientôt sur la chaîne, il y a normalement jeudi, donc dans 2 jours, la vidéo du jeudi. Parce que tous les jeudis, je sors une vidéo maintenant. Et tous les mardis, il y a un live. Vu qu'on est mardi, il y a un live, love. Donc, normalement, jeudi, la vidéo va. Ça va être un 111 DVD. Donc, un 111 DVD, je parle d'un film qui est sorti. Qui est en DVD, donc c'est-à-dire qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Ok? Avec un autre youtubeur de talent. On l'a tourné cet été et ça serait temps qu'elle sorte cette putain de vidéo. Ok, cette tentacule ne me plaît pas du tout. Mais alors, du tout, du tout. Je pense qu'il faut pas la faire sortir là, on va la faire sortir plutôt. Ouais, quelque chose comme ça. Là, elle va être cachée quoi. Elle va être derrière. Là, c'est un peu trop courbé. Voilà. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Comment j'arrive à gérer mon temps entre mon métier et YouTube? Alors, il faut que tu saches que il y a beaucoup de choses aussi. Il n'y a pas que mon métier YouTube. Il y a donc la vie sociale, donc avec les amis. Il y a la vie familiale avec ma femme et mon chien. Donc, il y a mon métier. Il y a YouTube. Et bien entendu, YouTube, il y a deux autres gros projets. Donc, celui-là, Virus. Donc un projet de bande dessinée. Et j'ai un très très gros projet que je vous parlerai très bientôt sur la chaîne. Donc normalement c'est pas la prochaine vidéo, c'est celle d'après. C'est un projet de court-métrage en 3 épisodes, assez sérieux dans le sens où je vais avoir pas mal de matos professionnels pour le faire. Des acteurs qui sont des potes à moi, youtubeurs, et quelques vrais acteurs, et de talent. Vraiment, je kiffe ce qu'ils font. Je suis en train d'écrire tout ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et ça va être tourné cet hiver. Donc c'est tout ça en même temps. Donc comment je fais, sachant que je suis quelqu'un d'un peu bordélique et désorganisé d'habitude, ce que je fais pour pouvoir faire tout ça en même temps, bon déjà ça me plaît de le faire, donc c'est pas des corvées, mais ce que je fais c'est que je me fais un planning. Je me fixe des jours pour, tu vois. Genre par exemple là le mardi soir, c'est le seul jour où je peux streamer parce que c'est le seul jour où le lendemain j'ai pas cours. Le mercredi là j'ai pas cours. Je ne fais pas mon métier. Je suis encore là alors que je vais me mettre en deux. Écoute, tu fais ce que tu veux, Bobo. Si tu préfères rester ici plutôt que faire des trucs malsains, tu peux. Je sais pas comment je vais faire là, la transition du pénis. On peut voir que j'ai galéré là aussi. D'ailleurs, t'imagines les caméos de mon épisode 15 comme ils doivent être en PLS. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le nombre de personnes qu'il va y avoir.
dans ton épisode 15. Épisode 15 qu'il a mis un an à faire. Hein. Le mec, comment il clash dès le départ, bim. Clash ses potes. Non, mais c'est sympa, et lui, c'est un gros projet son épisode 15, donc forcément, ça prend du temps. Bon, pour l'instant, ça me plaît pas du tout là. On va faire un truc comme ça. Voilà, un petit bide. Hop. Là, il y a les côtes, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Hop. Voilà, les petites pattes. Les petits pieds tentaculaires. Donc, en fait, ouais, ce que je disais, je me fixe un jour. Donc, le mardi soir, c'est live. Le mercredi après-midi, c'est journée avec mon pote. Mon meilleur ami qui a pas cours non plus le mercredi. Du coup, c'est parti pour jouer aux jeux vidéo, se détendre un peu, parler de nos projets. Salut Pixelmatic, yellow à toi et bienvenue, un fan de One Punch Man. Bonsoir monsieur, je fais justement en train de dessiner avant de tomber sur le live. Eh ben, ce que je te propose, fan de One Punch Man, c'est de dessiner en même temps que moi. Tu vois, comme ça, tu m'écoutes, on discute, on est ensemble, posé sur le stream. Et en même temps, tu dessines, et si t'as un petit problème de dessin, tu vois, tu me demandes, en deux secondes, je t'explique. Et je pense savoir quel élève tu es, One Punch Man, parce que tu es un de mes élèves que j'ai eu aujourd'hui. Qui était absent la semaine dernière parce que tes bus étaient en retard, c'est ça? Ah, le mec, la mémoire, la mémoire. Et ouais, et du coup, je vous ai montré le rap tout à l'heure. Non, mais la jambe, ça va pas du tout. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Réfléchis. Finalement, c'est beaucoup plus fin. Puis un beau cuisseau. Regardez. Fin cuisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Très fin, genre quasiment un bâton. Effectivement. Je parlais du fait que tu es tourné avec un autre youtubeur et que tu attends la sortie avec impatience. Ah oui, bien sûr. Bah, t'es au courant? Quelqu'un t'a mis au courant? Tu parles bien de Gremlins, on est d'accord? Écoutez, pourquoi pas des convos Skype? Je pense plutôt Discord. J'ai un Discord pour ceux que ça intéresse. Enfin, si tu peux nous mettre le petit lien, s'il te plaît, merci. Merci la modération. Un Discord dans lequel vous êtes bienvenus. Donc, on parle de... Alors j'essaie de me connecter de plus en plus à... J'étais très connecté l'année dernière parce que j'avais aucune vie sociale. Maintenant que j'ai une vie sociale, c'est un peu plus compliqué. Attends, on va se rapprocher parce que là ça va pas. Je parle mais j'arrive pas à refaire ma jambe. J'ai un peu du mal à me connecter sachant que dans le lycée où je suis, je capte pas. Donc en journée c'est compliqué. Mais en gros dans ce Discord, c'est là où il y a toute la communauté qui est rassemblée. On est plusieurs. Et n'hésitez pas à venir, proposer vos projets, montrer vos vidéos. Voilà, le but c'est de partager ce que tout le monde fait, quoi. De bosser ensemble. Excusez-moi, j'étais concentré. Ah, mais ce que tu viens de dire. Ah, merci Alex Craft. Merci Alex Craft. C'est très gentil de ta part d'avoir souscrit à un abonnement à la chaîne MRPAAP. Plus communément appelé Mr. Pape, dont la symbolique signifie Monsieur Prof d'Art Appliqué Pagnaise. C'est pour cela que j'ai réduit à Monsieur Pape afin que cela soit plus simple pour tout le monde, cordialement, artistiquement. Faites un bisou à votre maman. En fait, je suis obligé de faire... ouais, non, en fait, je suis pas obligé. On gomme ça. Bon, ça va pas trop. J'ai vraiment du mal avec cette jambe aujourd'hui. Bisous, maman. Monsieur, vous pouvez me dire
vite ce que vous êtes en train de faire. J'ai compris que vous êtes une bande dessinée, mais le thème de la BD, c'est quoi? Alors, petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là avant. Voici Virus, de la bande dessinée Virus. Alors en gros, ce n'est pas une vraie bande dessinée, ça va être une bande défilée. Sur vos smartphones, ça sortira a priori à Noël. J'arrête pas tellement de le dire que maintenant je flippe qu'elle sorte pas à Noël. Donc en gros, ça va être scrollable. Ça se dit. Enfin bref, vous allez le scroller sur votre smartphone quand ça sortira en application. Donc c'est l'histoire d'un virus informatique à qui lui arrive des belles aventures, et des tristes aventures surtout. Et du coup, voilà. Dans cette bande défilée, donc dans cette BD, vous trouverez des choses cachées, des petites énigmes, des petits trucs un peu machiavéliques, tout ça. Dans lequel, si vous découvrez les résultats, les réponses, voilà, vous pourrez débloquer du contenu supplémentaire. On est en train de bosser sur le plus gros contenu supplémentaire. Franchement, ça va être grave fun. J'ai bossé pendant une heure dans le train dessus, il y a quelques semaines, et j'ai tout perdu parce que j'avais pas sauvegardé. Voilà, voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce projet, n'hésitez pas, 1, à liker la page Facebook, 2, à aller voir la vidéo qui en parle. Donc, c'est une vidéo de 7 minutes qui vous explique tout le projet. Donc elle est dans ma chaîne, hein, c'est une vidéo assez récente, et de revenir sur le live après quand vous l'avez vu quoi. Alors Thomas Goumar, t'as fait quoi comme étude pour devenir prof d'art appliqué? Bah c'est pas compliqué, j'ai fait un bac S même si ça a rien à voir. J'ai eu mon bac avec difficulté, mais je l'ai eu. Je pense que c'est ça qui va pas avec ma jambe là. Donc j'ai eu mon bac S. Après mon bac S, du coup, j'ai voulu faire plein de choses. Une fac d'art, machin. Les beaux-arts, tout ça. Mais les beaux-arts, les grandes écoles, tout ça, ils m'ont pas pris. Il a pas fait d'études, lol. Je suis un touriste. Bref, donc tout ça, ils m'ont pas été pris. C'est un peu le... Comment dire... L'échec de ma vie. C'est-à-dire que tous mes projets que je voulais faire, ça marchait pas. Du coup, très triste. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accepté qu'à un seul endroit, à une fac d'art appliqué. Donc moi, je savais même pas ce que c'était à l'époque. Donc je vais à la fac d'art appliqué, et en fait, j'apprends que l'art appliqué, c'est du design. Ça, c'est Photoshop. Du coup, je vais à la fac d'art appliqué, et je me rends compte que ça me plaît énormément, parce qu'il y a ce côté énigme, il y a ce côté recherche, il y a ce côté création dans l'art appliqué. Parce qu'en gros, on demande un projet, par exemple, le designer va demander, voilà, créez-moi une chaise pliante, légère et pas chère. Bah, c'est un challenge, quoi. Il faut trouver comment faire pour que déjà qu'il soit beau, qu'il soit facile à utiliser et tout. Heureusement, on avait des super projets. Et voilà, du coup, j'ai fait ma fac d'art appliqué, donc c'est 3 ans. D'ailleurs, sauvegarde, quand il n'y a pas fin... Oui, t'as raison. Sauvegarde. Donc, j'ai fait mes 3 ans de fac, donc bac plus 3. Après mon bac plus 3, j'ai voulu faire un master de multimédia. Je voulais faire un master multimédia, mais je n'ai pas été pris parce qu'à l'époque j'avais aucune formation vidéo et il fallait faire une formation vidéo quoi. Putain, j'ai un problème avec ces putains de jambes. Et du coup, j'ai été pris en master d'enseignement, donc ça veut dire pour devenir prof. Et ça m'a énormément plu. En fait, à chaque fois que j'ai voulu faire un truc, je ne l'ai pas eu. Et ce que j'ai eu à la place m'a encore plus plu que ce que j'avais prévu. Et donc, je suis devenu prof d'art appliqué. Donc, il faut passer le concours. Il y a un concours à passer. Il y a le master à avoir, etc. Donc, c'est plein de trucs relous. Mais voilà, quoi. Ça se fait. Petite triche des familles. Voilà, vous savez tout. Ok Alex, bienvenue. Il y a le mémoire à faire et grâce à Fanfan, j'ai réussi à finir mon mémoire. Merci Fanfan encore une fois. Dédicace à Fanfan. Sans elle, je serais perdu. Sans Fanfan, j'aurais été dans la merde. Putain. Ouais, le pied immense quoi.
T'as fait le C. Et tu as fait une mana. Non, je n'ai pas fait de mana du coup. J'ai été refusé dans toutes les manas. Parce que j'avais que 10 de moyenne. À l'époque, les manas, je trouve que c'est toujours pareil. Hein, mais à mon époque, les manas, ils demandaient un gros niveau. Ok, donc cette jambe est pas mal, mais elle est trop courte. Lol. Bon, les jeunes qui sont de Mermoz, là, du lycée Mermoz, ou mes élèves, ou pas mes élèves. Capet, j'ai passé le. Non, ni le Capet, ni le Capes, j'ai passé le KPLP. Alors, je t'explique. Capes, c'est pour le lycée général. CAPET, c'est pour le lycée technologique. Et KPLP, c'est pour le lycée pro. Moi, j'enseigne les arts appliqués en lycée pro. Mon concours n'existe pas en CAPES. Il n'y a pas d'art appliqué en CAPES. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en CAPET et qu'en KPLP. En CAPET, c'est extrêmement difficile. Il n'y a que 20 places par an. Alors que KPLP, il y a une centaine de places par an. Re la petite folle, t'as bien mangé? C'était bon. T'as mangé quoi? Dis-nous tout, vas-y, dis-nous tout ce que t'as mangé. Le mec relou, tu sais. Il veut tout savoir sur ses followers. Ouais, les gens de Mermoz, je voulais vous demander. Il y en a qui sont chauds pour le club YouTube ou pas, du coup? Parce que pour l'instant, j'ai pas eu trop de retours. Mais bon, j'ai fait un gros coup marketing aujourd'hui. Bon, les jambes, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça me... Ça m'emmerde. Ça m'emmerde beaucoup. Une quiche fait par mois. Ah, c'est la classe. T'as mangé ton produit laitier et t'as 5 fruits et légumes par jour. Une quiche à quoi? À quoi était ta quiche? Je vais tenter une triche. Ah, c'est mieux. Ok. Eh ben, on va gommer. De toute façon, le corps, il y a un problème de proportion. Je me suis chié dessus. Il faut qu'on l'élargisse. Ah ouais, non, mais si ça efface tout aussi. Oh oui, oh, comme ça s'emboîte bien. Alors, s'il y en a qui disent que j'ai triché, vous avez aucune preuve. Aucune preuve. Attendez. Vous avez écrit beaucoup d'un coup là. Oh, ça a toujours une quiche, ouais, bah, papa! Papa? Le fou? T'as une fille? Une quiche aussi, mais pas faite par moi. Genre, Fanfan, elle cuisine pas quoi. Merci fantôme. Merci fantôme, pourquoi? J'ai loupé un truc, je crois. Pap, t'es James, pas. Sur tes arrondis, tu restes trop droit sur le dessin par rapport aux autres. Si je peux me permettre. Tu peux te permettre, mec, y a pas de problème. C'est aujourd'hui que je vais faire ça, mais finalement, je vais peut-être faire plutôt des questions. Enfin, s'il y en a qui ont des blagues pas drôles à raconter, n'hésitez pas, lancez-vous. Parce que
Parce que du coup, je voulais rendre ce live un peu plus fun. Mais comme là, on est plus nombreux, c'est quand même plus fun que la dernière fois. Donc n'hésitez pas maintenant à nous raconter vos blagues les plus pourrites. Pourrites, avec un T, parce que ça n'existe pas. Mais aussi de nous... Si vous avez des petites questions de culture générale, voilà, n'hésitez pas à les poser, on verra qui répond le plus vite. En fait, je suis une quiche en informatique, faut que j'apprenne à me servir des trucs de mail, Facebook et compagnie. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Salut Cerise. Alors Cerise, ici présent, est le scénariste de la bande dessinée. Hello from Crete. Mec, t'es en Crete? Ok. Le mec, il dit que je suis prof et que je suis tout le temps en vacances, mais le gars, il est tout le temps en vadrouille. Ah, mais t'as bien fait de venir, Cerise, je t'aime. C'est un copain. Olivier Stocco, il a pas lu, mais c'est l'attention qui compte. Qu'est-ce qu'il fait, toi, toi? Un tanard. Un tanard. Non mais là, ça va pas non plus. Il y a un truc qui m'emmerde depuis tout à l'heure. C'est un tanard, je la connaissais celle-là. Ouais, comment on choisit le nom des dinosaures? Très bonne question. Très très bonne question. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas cette blague. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? Ah, je crois que je la connais. Je crois que c'est on l'appelle pas. On l'appelle pas parce qu'il peut pas marcher. Un truc de genre. C'est un truc de genre. On l'appelle pas. Attends, je l'ai pas fait un peu gros avant. Ah si, ça, ça va pas le faire si je le fais maigre. Ah, il a son petit bidon, elle, elle est trop trop maigre. Pam 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 pam. On fait un tirage aux ors. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? La mamie qui fait peur aux voleurs. La mamie. La mamie. On l'appelle pas, on va le chercher, c'est ça. Mais pour la mamie. La mamie. Mamie qui fait peur aux voleurs. La... Je suis sûr que c'est un jeu de mots. La mamie... La mamie Zapri... Non, la mamie... La mamie... Trayette, la... Bah oui. Parce que mamie Trayette. C'est ça? Ouais, je pense qu'il a raison, notre très cher Yuki Notori. Je pense que Yuki Notori a raison. Ouais, il y a un gros problème de proportion, putain. Ma mitraillette, oui! Bon, on va faire un truc que j'aime bien faire, c'est les tentacules. Le corps me saoule. Je sens que j'ai besoin de faire des tentacules pour me libérer. Libérer. Non, je rigole. Je rigole. Je ne le chanterai pas.
Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous l'eau et fait buzz? Vert et se déplace sous l'eau et fait buzz. Moi j'aurais dit... Ah! Délivré! une mouche dans la... Une mouche dans la bouche d'une grenouille. Non? Bah, c'est vert, ça se déplace sous l'eau et ça fait buzz. Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? Mec, il invente des réponses. Un chou marin ruche. Sherlock, qu'est-ce que tu fais? Que je te défonce? Un chou marin ruche. Mais oui, ça va sous l'eau et ça fait bis bis parce que c'est la ruche. C'est pas bien de frapper ses enfants. Qui frappe ses enfants? Parce que je les ai supprimés. Ok. Mais c'est quoi ce jeu de mots? Mais c'est comme ça la vie. Les gens ils font des jeux de mots avec tout. Oh, j'ai des énigmes pour vous. Alors ceux qui connaissent. Ah ouais, mais on peut pas la faire en. On peut pas la faire en vidéo, merde. Merde. Attendez, j'en ai d'autres qu'on pourrait faire en vidéo, faut juste que je m'en rappelle. Ah, je dis que j'allais défoncer. Mais non, je rigole. J'ai une chanson horrible dans la tête. Mais non. Courage. Be brave. Petit poney, il gambade dans le pré, se déhanche toute la journée, petit poney. Ah si, j'ai une ligne pour vous. Ceux qui la connaissent, dites rien. La musique est un peu forte là. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour l'énigme? Qui est prêt? C'est l'énigme, ça touche pas. Qui ne la connaît pas? Ah oui, c'est l'heure d'un café. Vous voulez une blague nulle? Moi, c'est Noah. Je la comprends pas. Justement, le fou. Donc la blague de Sat... Enfin, l'énigme de ça touche, ça touche pas. Moi, elle m'a duré 4 heures. Donc on aura la nuit pour la résoudre. Alors, je vous explique. Normalement, plus on va avancer dans le temps, plus je vous donnerai d'indices. Mais normalement, l'énigme, c'est touche, ça touche pas, et touche pas, ça touche. Pourquoi? Voilà. Normalement, l'énigme, c'est ça. Après, moi, je vais vous aider au fur et à mesure à débloquer tout ça. Ceux qui connaissent, franchement, dites pas. Sinon, vous cassez le game. Moi, c'est Noah, est un youtubeur cancer. Ah, ok. Je ne connais pas ce youtubeur cancer. Moi, j'aime dessiner des dragons, mais mon style de dessin préféré est le tribal. Comme j'ai débuté depuis peu à dessiner, mais je me contente de recopier en modifiant mon style. Mais t'as bien raison. C'est comme ça qu'on avance. Je crois que je l'ai. J'ai envie de dire. Ceux qui connaissent pas, taisez-vous. Pourquoi ça touche? Et maintenant, vous allez me dire des mots, et je vais vous dire si ce mot touche ou touche pas. Vous savez pas ce qui touche pas, mais pour l'instant, je vais juste... Par exemple, papa, ça touche. Maman, ça touche. Ornithorynque, ça ne touche pas. Mais touche, ça touche pas. Mais touche pas, ça touche. Si je vous dis YouTube, YouTube, ça touche. Par contre, Antox... Ah non, si, Antox... Non, Antox, Antox, ça touche pas. Mais Colaboy, ça touche. Allez, bon courage. Le mec il leur laisse des trucs comme ça.
Et il leur dit bon courage et il se casse, quoi. Il n'y a plus de respect. Il est où? Il est où? Il est où? Respect. Ah. Virus, il vient du monde d'Ectoulou. Je déteste ce genre de conneries. C'est un truc avec les lettres. Oui et non. Qui se défend totalement de faire payer des raids? Ah d'accord. Ok. Mais c'est un génie! Ok, j'ai pas tout compris en fait. Pelia, ça touche pas, mais Pixel, ça touche. Exactement, elle a raison. Dites-moi des mots, je vous dis si ça touche ou ça touche pas. Demandez-moi, nanana, est-ce que ça touche? Par exemple, nanana, ça ne touche pas. Je suis trop un bâtard. Mais cette énigme, c'est l'une de mes préférées parce que c'est celle que j'ai pris le plus de temps à découvrir, je crois. Elle est tellement relou. Le fou ça touche, le fou ça touche pas. Non, le fou ça touche pas. Alors, touche pas ça touche, mais mon poste ça touche. Mon poste ça touche, ouais. Shadoko ça touche pas. Daniel ça touche pas. Et bienvenue à toi Nashi. Je ne t'avais pas vu tout à l'heure, peut-être que tu as dit salut mais j'ai pas vu, excuse-moi. Yellow et bienvenue à toi sur le stream de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé. Ça y est, tu es posé. Je te le redis parce que t'es pas prêt. Mon blaze. C'est MRP. Oui, je suis désolé à tous ceux qui vont l'entendre 10 fois par jour. Enfin, 10 fois par live. Mais j'aime bien. Je trouve ça accueille bien les gens. Y a-t-il des gens qui vivent à Strasbourg parmi vous? Histoire que je me fasse des nouveaux amis de Strasbourg. Histoire qu'on aille boire une bière, quoi. Il faut qu'on aille voir une bière, voilà. On va teaser. Ouais. Ah, tu peux me toucher. MRP ça touche. Je dirais même que MRP ça touche deux fois. Alors que le fou ça touche pas. Red Bull ou monter? Red Bull, ça touche. Monter, ça touche. Arrêtez d'habiter dans le nord, bordel. Mais c'est toi qui es dans le sud aussi. En gros, vous devez résoudre l'énigme. L'énigme, c'est... Attendez. Oh. Touche, ça ne touche pas. Touche pas, ça touche. Normalement, vous avez le droit à casser. Moi, après, je vous ai donné quelques indices en disant, par exemple, que Antox, ça touche pas, alors que Colaboy, ça touche. Maman, ça touche. Papa, ça touche. Alors que... Ornithorynx, ça touchait pas. Monster, ça touche. Ouais, l'inventeur de cette technique est un putain de génie. Bon, il a un peu un problème aussi, mais... Il a dû s'ennuyer beaucoup de temps dans sa vie, mec, à inventer cette technique. En même temps, elle te permet de réfléchir dans le sens à prendre du recul sur une énigme. En fait, moi j'ai trouvé en demandant plusieurs fois, est-ce que ce mot touche, est-ce que ce mot-là touche ou pas. Et à force, j'ai réussi à isoler ce qui touche et pourquoi il touche.
Enfin, pourquoi il vient après. Mais essayez de... En fait, la première chose à essayer de trouver, c'est de savoir comment... Quand un mot touche ou pas. Par exemple... Attendez. Attache. Attendez, non, faut pas que je vous donne trop d'indices non plus. Attache, ça touche pas. Mais... Non, ça marche pas. Attendez, je cherche un mot. Grégory, ça touche pas. Mais Grégory Pagnaise, ça touche. Cédric, ça touche pas. Misogie, ça... Non, misogie... Ah si, misogie, ça touche, pardon. Misogie, ça touche. Misogie, ça touche. Non, parce que ça marche même avec des mots qui n'existent pas. Par exemple, je sais pas, Shibubu. Shibubu, ça touche. Alors que Awa Loulou, ça touche pas. Là, je suis en train de les... Je suis en train de les emmener tellement loin. Donc, il n'y a même pas de rapport avec le sens. Là, je vous ai donné un indice. C'est pas lié au sens. Donc, ça peut être lié qu'à une seule autre chose. Après, comment la trouver, cette autre chose? C'est ça, le problème. En fait, il se peut que vous réussissiez à trouver comment moi je fais pour dire ça touche, ça touche pas, sans savoir ce qui me touche et ce qui ne touche pas. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Je fais, ah, mais je savais que tel mot ou tel mot ne touchait ou touchait pas. Mais j'avais mis un peu de temps avant de comprendre ce qui touchait et ce qui touchait pas. Donc, dès qu'il y en a qui trouvent, gardez-le pour vous. On va essayer de durer ça un peu longtemps, histoire que ça soit amusant. Tu gères MRP. Bonsoir, Mr. Pap. Bonsoir, Nico VLG. Comment on va? Bah, écoute, moi, ça va plutôt bien, et toi? Comment je déteste à ce mot. Virus, ça ne touche pas. Exactement. Virus, ça touche pas. Par contre, le monstre virus, ça touche. Je vous invite, chers amis, à ne pas regarder sur Internet. Sinon, ça va tout gâcher. Ça serait dommage. Bon, comme ce dessin-là me saoule, on va faire la suite plutôt que faire ça. On va peut-être même essayer de faire la vraie mise en scène. Alors lui, il doit être le plus haut possible, comme ça, c'est pas mal. Sauf qu'il va être beaucoup plus petit. Bon, si on la réfléchissait tranquillement, hein, moi, je fais mon petit bise. Voilà. Voilà, hop, celui-là. Pareil. Il faut qu'il soit à peu près la même proportion. Je vais faire une courbe de descente, en fait. Entrée. Démembrer, ça touche, ouais. Ça touche plusieurs fois même. C'est un rapport avec les lettres et les syllabes. J'ai envie de dire forcément. Si ça n'a pas de rapport avec le sens, ça a forcément un rapport avec la forme. D'accord. Donc là, essayez d'isoler ce qui pourrait faire que ça touche ou pas. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis pour l'instant. C'est pour vous donner envie de faire pipi. Allez, maintenant tout le monde va faire pipi. Voilà. C'est bien, il faut pas se retenir. Allez-y. Je vous ai compris. J'ai failli faire grosse bêtise. Mon général, j'ai failli faire grosse bêtise. Oula, 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 oula.
Est-ce que là on la voit la décadence? Ça me paraît pas mal là, les. On va tourner un tout petit peu ça. Voilà. Sauvegarde, saleté d'enfant. Non mais j'ai compris, du coup je suis content. Ok. Vous avez eu une amie à moi en cours. Je dis juste son prénom pour que ça reste dans le respect. Elle s'appelle Jade. Ah oui, je me rappelle très bien de Jade. En Picardie. Ce qui touche sont les mots qui possèdent la lettre E. Non, je vais donner un exemple. Éléphant. Éléphant, ça touche pas. Alors que Emmanuel, ça touche. Menachi, tu réfléchis bien, tu poses des bonnes questions. Oui, exact, Shadoku a raison. Touche ne touche pas, alors que touche pas touche. J'adore ça. Touche ne touche pas, alors que touche pas touche. Limite, on dirait qu'il glisse sur une banane, c'est cute. Picardie, RPZ. Alsacien, RPZ. Bouche, ça touche. Mais lèvres, ça touche pas. Bouche, ça touche, en effet, mais lèvres, ça touche pas. Il a exactement raison. Stoko, t'aurais pas dû dire ça. T'es un vilain. Togo, tu la connaissais, toi, celle-là? Je suis perplexe. Antoine, ça touche? Antoine, ça touche pas, non. RPZ Picardie. C'est moi ou il y a un bruit blanc? Oreille et tympan? Oreille et tympan? Oreille et tympan. C'est quoi votre bruit blanc? Il y a un pshh comme ça? Live, ça touche pas, et mardi, ça touche. Ouais. Ouais, essayez de trouver le point commun de tous ceux qui se touchent. C'est plus facile de trouver ceux qui se touchent que de trouver ceux qui se touchent pas. Pardon. Oreille, tympan. Ah, oreille, ça touche pas. Tympan, ça touche. Raciste. Pourquoi raciste? Il y a un bruit blanc. Moi, je vais te toucher. T'auras mal. Fantôme, ça touche. Ceux qui se touchent, c'est ceux qui n'ont personne pour les toucher à les place au baume. Ceux qui se touchent, c'est ceux qui n'ont personne pour les toucher. Et en plus, j'ai commencé la philo, c'est aussi compliqué que ça. Rémi? Ouais, Rémi, ça touche. Ah, le fou, ça touche pas, mais Rémi, ça touche. Moi j'applaudis quand même la phrase de bienvenue chez les fous. Moi je dis respect.
J'ai plus d'idées perso. Faut me rendre dingue. Jaune, ça touche. Jaune, ça ne touche pas. Tu es déjà le fou. Faut me rendre fou. Normal, mec, c'est ton prénom. C'est ton pseudo, mec, c'est normal. C'est mon rôle, tu vois. J'essaie d'entretenir cette folie qui est en toi. Ok, essayez vraiment d'isoler ceux qui se touchent. Si je vous dis que touche, ça touche pas, mais que touche pas, touche. Le laisser passer à 38. Rouge, ça touche. Non, rouge, ça touche pas. Rouge, ça touche pas. Rouge, ça touche pas, non. Bon, ça me paraît pas mal. Prout, ça touche, ouais. Fantôme, ça touche. Rouge, ça touche pas. Toujours pas. Désespoir, ça touche. Désespoir, si, ça touche. Désespoir, ça touche. Désespoir, ça touche. Voilà, la petite folle, ne te trompe pas. Hein. Mais du coup, la petite folle, tu connais beaucoup de monde que je connais. On se connaît. Désespoir, clairement que ça touche, le désespoir. Bon, ok, on passe à la suite. Alors, ça me paraît pas mal ce petit passage-là. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est une stalkeuse. Espoir, ça touche aussi. Vous me souvenez. Et vapeur, ça touche. Vapeur, ça touche. Ah, excuse-moi, la petite folle. Je suis désolé, je retiens pas les pseudos et tout ça. On se connaît pas, mais on connaît juste des gens communs, c'est ça. Suicide, ça touche. Suicide, ça touche pas, non. Ouais, c'est bien. Moi, je suis du genre à aimer les mangas, les jeux vidéo dessinés, alors que dans ma classe, elle est pleine de racailles. Après, ça va, ils sont sympas, mais je suis pas très à l'aise avec eux. Ouais, je comprends, mais t'inquiète, ils sont pas méchants. On a même vocal. Ah, mais oui! Ah mais oui, t'as une petite voix toute douce. Et t'es jeune, non? Il me semble que t'es jeune. J'essaie de recadrer la caméra, voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que là, le but, c'est de montrer qu'il est en train de faire une longue chute. Longue chute. Donc je pensais le dessiner l'étape d'après ça. Et de le faire en trois étapes de plus en plus petit. Et après, pff, contre le sol. T'as pas le même pseudo Discord aussi. Ah, j'avoue, c'est pas faux. J'avoue là. Oh putain, je lui ai coupé un bout de pied. Voilà, elle a perdu son pied. Chute, ça touche pas. Je vois qu'il y en a de moins en moins qui posent la question, il y en a qui ont abandonné direct. Ah oui, bonne idée. Chute, ça touche pas.
Baboukazi, ça touche? Oui, ça touche. Françoise, ça touche pas. Oh non, chute, chute, ça touche pas. Françoise, ça touche pas. Baboukazi, ça touche. Les mots qui ont des antonymes. Bah Olivier, ouais, a priori, oui et non. Mais celle, pour le premier épisode, on voudrait faire déjà un truc simple. Donc qu'avec des travelling latéraux, ouais. Donc comment montrer une chute en pouvant se dépasser que latéralement? Ouais, la petite folle, ça arrive, mais il faudrait que je règle ça, parce que j'ai pas envie que les gens soient freinés de m'envoyer des messages. Bon, bah ce soir, on a pris 2 abonnés, les amis, c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau, ça? Ok, donc il est plus courbé qu'avant. Ça se voit quasiment pas, mais. Et on va refaire les tentacules. J'en ai passé les traits là. Allez, sympa ce petit pendant que je bossais. Bah, pas de soucis, Arthur, n'hésite pas à revenir quand tu veux, mec. C'est un plaisir d'être avec toi. Non, t'es pas beau avec ton énigme. Bleu bleu, ça touche? Oui, ça touche. Bleu bleu. Ah, ça touche. Ah, ça touche pas. Si tu faisais disparaître ton personnage par le bas en. Réapparemment en haut de la bande plus loin. Oh, mais oui! Oh mais oui, je suis con, mais oui. Oui, t'as raison, Stoko. T'as grave raison. Et ben on va faire ça, et ben on va même le faire avec. Ouais, on va le faire là, et on va refaire là, et on va le faire de plus en plus petit. Je vais, qu'est-ce que je peux, on se moque pas. Je crois que le fou, il a abandonné. Il a rage quitte. Je meurs de façon cérébrale. Bon, je vais. Est-ce que je vous donne un indice? Il y a une, deux, trois. Il y a. Ah, ça me gêne de vous donner un si gros indice quand même. Rage quit, ça touche pas. Je meurs de façon cérébrale, ça touche 2 fois. Tentacule, ça touche pas. Je ne connais pas Geometric Dash. Ah ouais, non, faut qu'elle soit moins grande. Cette tentacule doit être moins grande.
Acide citrique, ça touche pas. Frédéric, ça touche pas non plus. D'abord, fini le final de la saison. Kawaii, ça touche pas. Natchez sur les prénoms. Sur les mandats. Ok, ok, ok. Mais vous vous approchez, j'ai l'impression. Il faut que vous repériez ce qui fait que ça touche. Papa, ça touche. Maman, ça touche. Mamie, ça touche. Papy, ça touche. Je sais pas moi. Bite, ça touche. Pénis, ça touche. Alors que chatte, ça touche pas. Désolé pour cette vulgarité. Je vous présente toutes mes excuses. Mais non, Écoute, vous plaindrez MRP. Ah non, mais je veux pas être le responsable. Tartine, ça touche pas. Moi aussi, j'ai envie de tout dire, mais c'est pas drôle pour eux, quoi. Le but, c'est qu'ils trouvent un minimum. Essayez de... Faut vraiment que vous isoliez. Je sais pas, moi. Je vais essayer de trouver un indice sympa. Attaché, ça touche pas. Mais attachement, ça touche. Tracteur, ça touche pas. Tractopelle, ça touche. Nutella, ça touche pas. Casquette, ça touche pas, mais laisse, ça touche. Non, laisse, ça touche pas. Laisse, ça touche pas. Laisse, ça touche pas. Je croyais avoir un truc. Mais vous êtes pas loin, je pense. Je pense que vraiment. Il y a quelque chose là, vos questions elles sont de plus en plus. L'homme qui se concentrait. Il y a un problème de tentacule ici. Alors, au revoir. Qui, au revoir qui? Non, pas adjectif. Ciao le grand X, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Non. Par exemple, je sais pas, papa. Attends, tu as dit tout ce qui est un nombre syllabe pair, ça touche. Non, parce que... Caca, ça touche pas.
Mais papa, ça touche. Franchement, là, je vous donne des trucs. Je commence à vous en dire un. Hein, hein. Bon. Crotte de bique. Hein. Ah, elle est bien celle-là. On voit bien la chute. Oh! Crotte de bique. Faut que je sauvegarde après. Mais je fais que ça touche pas. Oublie, ça touche. Oui, ça touche. C'est une explosion de chef. Me, ça touche. Me, ça touche, ouais. Crotte de bique, ça touche. Mais crotte, ça touche pas. Bon. Il y a trois trucs qui font que ça touche. S'il y a un des trois trucs, ça touche. S'il n'y a pas un de ces trois trucs, ça touche pas. Maintenant, à vous de trouver les trois trucs. Là. Je peux pas vous aider plus que ça. Hein. Waouh, ça touche pas. Cocorico, ça touche pas. Crotte, ça touche pas. De bique, ça touche. C'est un truc qui va nous sembler bête quand on va le trouver. Oui. Enfin, oui et non. Je pense. Je pense que vous avez trouvé ça bête. Je pense qu'il y a moyen, ouais. B, ça touche. Non. B, ça touche, oui. Tu re... Ah, re... reviens vite, hein, ma enfant. S'il y a trois syllabes différentes... Non. Une des trois raisons est qu'il doit y avoir plusieurs mots à la suite. Non. Par exemple, je sais pas, papa, ça touche, alors que caca, ça touche pas. Papa, ça touche, caca, ça touche pas. Non. Il y a trois choses qui font que ça touche, mais un seul des trois suffit pour que ça touche. Un seul des trois. Ouga, ça touche pas. Mo, balle, pas, ça touche, oui. Bon, on pourrait effacer tout ce bordel là. On sauvegarde. Au moins une consonne. Je sais pas si je peux vraiment répondre à cette question. Au moins une consonne.
Bah, je sais pas, moi. Ga, ça touche pas. Alors que pas, ça touche. Le fou, excuse-moi si c'est de ma faute à cause de ton montage. C'est à cause de moi si ça s'est mal passé. Bleu, ça touche. Ah, touche pas. Plombier, ça touche. Non, c'est une erreur d'avoir fait ça. On va le laisser petit. Elle va le faire de plus en plus petit. Oula, 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 oula. Ah, ça me gave. Macron, ça touche. Macron, ça touche. Il faut la lettre P. Ah. Papa, papy, poubelle, patrimoine, Paris, ça touche. Par contre, attendez, je cherche un truc avec un P qui touche pas. Histoire de les embrouiller jusqu'au bout. Attends, un truc avec un P qui marche pas. Merde. Baptême, ça touche. Attends. Un mot avec un P qui touche pas. Qui touche pas. Il y en a, hein, il y en a plein, mais il faut que je les trouve. Si, si, c'est possible. Bien sûr que si, c'est possible. Non. Enfin, oui. La lettre P, la lettre A, oui, ça marche. Mais c'est pas une vraie bonne piste. Mais oui, ça marche. Je suis d'accord avec toi. P et A, tout le temps, ensemble, ça touchera toujours. Mais imaginons, on écrit un mot qui fait Fatou. Phatou. Fatou, avec un... Ah, éléphant, il a raison. Éléphant, ça touche pas. Homophobe, ça touche.
J'aime bien ce coco, il met des trucs. En fait, dans ce qu'il dit, il y a toujours des indices, mais cachés. Éléphant, ça touche pas, par contre, il y a un P. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi papa, papy, Paris, patrimoine, ça touche, alors que éléphant, ça touche pas? I won't build a wall. Ça touche. Le mec trop chiant. Je suis super concentré là. Grrr. Bah l'épée est au début du mot. Imagine t'écris fanto comme fantôme mais ph. Fanto, il est au début et ça touche pas. Pharaon, ça touche pas. Pharaon, ça touche pas. Un phare, ça touche pas. Pourtant il y a un peu au début. Attendez. Enfin pharaon, oui mais. Bah un P et un A ça touche forcément, mais Pharaon, c'est PHA. Misogy, il n'y a ni P ni A et ça touche. Mais je dis qu'il y avait trois raisons pour que ça touche. Il faut l'une des trois. Et c'est pas vraiment des lettres. Je peux pas trop. Oh putain, j'avais tout effacé. Je peux pas trop vous dire non plus quoi. Je pensais pas qu'elle allait durer si longtemps cette énigme. Après, on vous a pas trop aidé non plus, mais. J'avoue, on a pas trop aidé dans le game, quoi. Bon, vous avez compris ce que je veux faire là dans l'image. Est-ce que ça se voit à peu près qu'il est en train de. Qu'il est tombé. Pff, qu'il a fait une grosse chute. Le haut fait en sorte que ça ne touche pas. Non, parce que popo, ça touche. Et il y a un P. Ah les pauvres. Ah les pauvres, ils sont en train de devenir fous. Je vais t'éclater. Poto, ça touche donc non. En fait, vous êtes tombé sur l'une des trois propositions qui est la plus piégeuse. C'est, on va l'appeler le P. Le P, ça marche pas à certains moments. C'est le seul qui est un peu des exceptions, quoi.
Salut, salut Anel. Yello et bienvenue à toi sur le stream de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé, installe-toi bien, prends un café. Ça y est, tu es prêt et bien installé? Je te le redis parce que t'es pas prêt. Mon blaze, c'est MRP. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, on est là pour y répondre. Oh, je n'ai pas fait de rime en vrai, mon dieu. Je rage en même temps, tu m'étonnes que tu rages. J'ai un rhume, nez bouché et mal à la gorge. Ah. Un P minimum de voyelles. En fait, je trouve que ça fait trop de conditions compliquées. En fait, tu peux me dire n'importe quel mot, je peux dire d'un coup si ça touche ou touche pas. Tu vois, genre phare, ça touche pas. Pharaon, ça touche pas. Fatipule, ça touche. Manipuler, ça touche. Mama, ça touche. Ornithorynque, ça touche pas. Oui, ça touche pas. Mais non, ça touche. Non, j'ai rien dit. Non, ça touche pas. Oui, ça touche pas et non, ça touche pas. Ah putain, voyez à quel concert. Non. Je vais tous envoyer au coulag. Merci. Putain, j'ai envie de les aider là, ils commencent à me désespérer. Trois choses. Vous avez trouvé une. Il y en a une, vous tournez autour depuis tout à l'heure. Il y en a une, vous tournez autour depuis tout à l'heure. Les deux autres. Si je vous dis bébé, bonbon, baba, boubou, ça touche. Bouteille, ça touche. Bisou, ça touche. Bite, ça touche. Bourré, ça touche. PLS, ça touche. voilà, là je vous donne un gros indice là. Est-ce que ça se voit qu'il est en train qu'il a PAM qu'il y a un gros choc au sol? Logique, pédophile, ça touche. Pédophile, ça touche. Alors. Bah, il y a B aussi, voilà. Ok. Pédophile, ça touche. Pleure, ça touche. Les lèvres? Quoi, les lèvres? Kundian, ça touche pas. Toons, non plus. Par logique, pédophile, hein. Moi, je fais les dessins sur papier et je les scanne. Puis, je fais le contour sur Paint. Net et les couleurs sur Photoshop, c'est bien ou pas? Ouais, chacun sa méthode. Moi je faisais longtemps comme toi. Pendant longtemps j'ai fait comme toi. Mais ça me prenait trop de temps alors j'ai tout fait sur Photoshop maintenant. Thank you.
Alors, c'est une bonne théorie, fantôme, mais le dé, ça marche pas. Le dé, genre dindon, ça touche pas. Ouais, vous allez trop loin en vrai. Agonie, ça touche pas. Ah, j'adore les animes comme ça. KCF, ça touche. KFC. KFC, ça touche pas. Schizophrène, ça touche pas. Mais moi, il manque la lettre. La tablette de dessin, c'est pour ça que je suis nul sur dessiner. Ok, je vois, ouais, tu m'étonnes. Tout le monde est nul pour dessiner les souris. Bon, alors, je vais pas vous dire la réponse, mais je vais vous dire MBP. Voilà, MBP. Voilà, maintenant je veux écouter vos théories. Stoko, t'es là? Est-ce que notre ami Stoko est présent parmi nous? Wesh. Si, MRP, ça touche deux fois. Ça touche deux fois. Ouais, j'affiche même s'il y a des vulgarités majusculaires. MRP, ça touche deux fois, j'ai dit. Qu'est-ce que t'en penses, Stoko? Est-ce que ça se voit bien que PAM, il est sur le sol? Qu'il est PAM. J'ai l'impression que ça se voit pas trop. AZS ne se touche pas. AZS, non. Zor. Zouzou, ça touche pas. Souris, ça touche pas. Et Astrid, ça touche pas. MBP, tous les mots sont obligés de toucher s'ils le possèdent. Oui et non. Maman, oui. Bébé, oui. Papa, oui. Mais Pharaon, non. Éléphant, non. C'est là que vous allez peut-être comprendre ce qui touche pas. Papa, papy, prout, plombier, pompier, ça touche. Mais éléphant, ça touche pas. Attachement, ça touche. Le bruit de cocotte minute?
Ouais, un bruit de cocotte minute. Vous. Ok. Pensée son. Pensée, comment on appelle ça? Merde, je trouve plus le mot. Bonsoir Manon M, bienvenue à toi. Libellule, ça touche, ouais. Il y a un bruit blanc pas beau. Genre vraiment fort. Je vais baisser un peu le micro et on verra si c'est ça. Parce qu'à part le ventilo de mon ordinateur, je vois pas ce que ça peut être. Voilà, j'ai baissé un peu mon son. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Rabat le plan. Attends. Oui. Alors attendez, parce qu'il y a Stoko qui m'a parlé. Un peu plus de blanc de sol sous les fesses peut-être. J'ai pensé peut-être carrément le surélever et faire un bloc blanc pour montrer qu'en dessous il n'y avait rien en fait. Non, en fait le H perturbe le P mais perturbe pas le reste. On n'entend plus la musique. Justement, non, Nashi. Ah, Nashi, elle est vraiment pas loin là. Là, elle s'approche. Nashi s'approche. Ouais, je vais essayer ça, Stoko. On va voir ce que ça donne. Imaginons on fait ça. Là, ça montre qu'il y a un sol. Si je... Est-ce que je regarde ça tout ça en blanc. Je pense que Nashi, elle va trouver là. Franchement, elle est vraiment pas loin. On n'entend plus la musique, je vous remets un peu plus fort là. Mais apparemment il y a un son pas bon, il y a un son dégueu. Salut Sarialox, qu'est-ce qui est jaune qui attend? Vas-y Jeannette. En fait c'est pas le mot qui compte, mais c'est quand on prononce les lettres, il y en a auxquelles les lèvres se touchent et d'autres ça ne se touche pas. Et voilà, elle a trouvé les mots qui possèdent des syllabes que l'on peut dire sans trop ouvrir la bouche. Je suis un gars. Ah Nashi c'est un gars, excuse-moi Nashi. Il y a un effet de perspective. Qu'est-ce que... Je comprends pas ce que tu veux que je fasse. J'ai compris que c'était les lignes noires qui étaient là. Les pointes qui traduisent le choc derrière le dos de virus. Ah là. Mais je vois pas trop ce que tu. Je vois pas trop ce que je dois faire. Je dois enlever le blanc là, faire un contour noir direct. Donc en fait, quand ça touche pas, c'est les lèvres qui se touchent et qui se touchent pas. Donc dès qu'il y a un peu. Dès qu'il y a un B, dès qu'il y a un M, les F se touchent. Les F, les F se touchent pas. C'est les lèvres, la lèvre contre la dent. D'accord? Donc, papa, ça touche. Maman, ça touche. Touche, touche, ça touche pas. Alors que touche pas, ça touche. Tout ce qui est en P, B, M, ça se touche. Parce que les lèvres se touchent. Ça renforce l'impression que les fesses du virus touchent le sol, mais que son dos est encore dans le vide. Ah!
Est-ce que tu peux me faire un exemple vite fait, Stoko? Je vous déteste tous, voilà. Sans aucun. J'ai une devinette. Ah, vas-y, Nashi, fais-nous plaisir. En fait, je comprends plus ou moins ce que tu veux me dire, Stoko, mais j'arrive pas à le voir visuellement. Je comprends que le problème est là, qu'on a l'impression que le dos est allongé. Je vois ce que tu veux dire. On a l'impression que il est allongé tout le dos alors que c'est que la fesse qui touche. Mais je comprends pas ce que je dois faire en fait. Est-ce que je dois gommer plus? Faire des trucs blancs plus grands? Genre comme ça. Je suis même pas sûr de ce que je fais. Bref. Ou alors je le redresse. Je le mets plus la fesse qui touche, quoi. Ok, je fais. Ok, je patiente. Je patiente, mon ami. Je patiente. Yo. Yo, yo, yo. Ah, pas con ça. Mais oui. Bien sûr. Pourquoi c'est flou? Ah, parce que j'ai zoomé. Parce que l'image a agrandi. Il faut que je fasse le cube plat comme ça. Mais oui, ça c'était sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bon, peut-être pas autant. Ouais, c'est déjà mieux ça. Peut-être faire ligne blanche à l'horizontale, les deux lignes blanches les plus proches du sol. Comme ça.
Ouais, et rétrécir peut-être celle-là, là. Ouais, c'est mieux comme ça déjà. Ouais. Mais non, tu sais très bien sur quoi il va être. Plus qu'à tout faire de refaire. Ok, alors je bosse 8h à 19h en job alimentaire. Je rentre chez moi, je mange pas et go taffer sur ma vidéo. Et là, boum, je perds tout le visuel des scènes du bug dans le logiciel. Ok, en fait, je pense que ce que vous voulez me dire, moi je vais vous faire un exemple vite fait, c'est là très vertical, comme ça. Comme ça, c'est ça en gros que je dois faire. Une pyramide en fait. Enfin, une pyramide. Une exponentielle quoi. Les versions des choses comme ça. Salut Sylvie. Ok, ça marche Sylvie. Tiens, tu m'étonnes, bienvenue chez les fous. Tu m'étonnes mec, courage hein. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fanfan? Pour les traits dynamiques comme ça, c'est bien de mettre un point et de faire tourner les traits autour. Ouais, après là, c'est juste pour l'impression. Après, je ferai ça propre avec des lignes bien droites et tout. Là, c'est pour qu'on ait l'effet. Tu vois, l'effet voulu. Tu vas faire ta pub. Pas de problème, tout le monde peut faire sa pub ici. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça, les enfants là. Pourquoi je prends un accent africain? Je sais pas du tout là. Je sais pas du tout. Ouais, non mais le fou là, il est dégoûté, hein. Il vient de tout perdre. Je serais lui, j'aurais trop les boules. Courage, mec. Je vais te demander, t'es toujours chaud pour tourner dans la série, hein? Il y a un rôle qui t'est complètement déduit, hein. D'ailleurs, quand je parle de ce rôle-là, je dis le fou. Je dis même plus le nom du rôle. D'ailleurs, Stoko, qu'est-ce que t'en penses? Je pensais mettre tout le personnage remplir de noir. Complètement de noir. Par contre, je vais le. On va faire ça comme ça. Toujours ma couille. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle.
teste un truc, hein. Sérieux, je sais pas si t'as vu tous les jeux qu'il va y avoir sur la mini NES, la mini Super NES, mais ça envoie du lourd. Hein. C'est quasiment que des bons jeux. Dessine droit, s'il te plaît. Quelque chose comme ça, genre plus que ce qu'il y a à gauche. Écoutez, après, une fois que j'aurai fini ça, les faits là, je vais essayer de faire de fond d'un plat noir. Parce qu'à la base, c'était mon idée de base, faire un comme une ombre en fait. Je vais voir ce que ça donne. Hey, je sais pas si je t'ai dit, Stoko, je suis en train de créer un club YouTube dans mon lycée. Pour faire des projets avec les élèves et tout. Ah, ça me plaît mieux comme ça. Non, pas encore. À part Sivni, c'est le nom de l'objet de mes Pokémon préférés. Du coup, j'ai une bonne excuse pour quitter le live. Je vais voir une vidéo qui. À mardi, Snivy. Ciao, ciao, bonne nuit. Bonne soirée, Fanfan. Du coup, j'ai plus de modo. Comment vais-je faire? Non, mais t'inquiète pas, Fanfan, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Non, mais va te coucher, Fanfan. J'ai ça pour rigoler, t'inquiète pas. Hein. Repose-toi bien, ma Fanfan.
ton sommeil vaut mieux que mon live, hein. Bon, mais dis donc. C'est vachement mieux là, non? Ok, alors on va faire un nouveau calque et on va tester de le remplir en noir. Oh, depuis le début, je dessine sur l'arrière-plan. Ok. Super. Super. Putain. N'importe quoi. Ok. MDR, on est tous des merdes ce soir. On devine mieux la... Ouais, pour le niveau des lumières derrière, enfin des lignes blanches, tout ça. Je pense que je trouve que c'est vachement mieux. Il est 23h25 passé. On est dans une ambiance plus posée, moins énergique que tout à l'heure. Les gens sont un petit peu plus fatigués. Bon, en vrai, je suis vraiment KO. Je me suis levé à 5h30 aujourd'hui. Je suis KO. Je pense qu'on va avoir un problème, c'est que la silhouette, on la comprend pas. Ouais, on la comprend clairement pas. Donc, plusieurs possibilités. Soit je fais des reflets blancs, comme il avait dit Stocco, pour marquer les volumes. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Moi je suis à fond, la petite folle elle est à fond, wesh. Au taquet la petite folle. Bon, on fera avec ça. Ok. Opacité. Je peux faire quelque chose comme ça aussi. Et là, du coup, j'efface certaines zones. Du genre... Céréale, t'es là? T'as vu ça, tous les jeux qu'il y a de ouf?
Ça y est, le demain après, on joue au jeu. Au nouveau jeu qu'on a acheté. Ah, ça claque, hein. Tu viens vers quelle heure, Max? Il y aura Amandine qui sera là jusqu'à à peu près 14h après d'aller, enfin vers 14h de aller au boulot. Quand je fais ça bien au propre, ça va claquer de ouf, je pense. Là, je fais un peu à l'arrache quoi, histoire. En fait, ce que je veux, c'est avoir fini le chapitre 0 au niveau du croquis. Et après, je ferai du cas par cas au propre. Enfin, du dessin par dessin quoi. Histoire de pas perdre trop de temps. Comme ça, je peux déjà envoyer ça à celui qui va faire l'application pour qu'il commence à mettre en page les trucs. L'atmosphère est tellement sombre. Ah, ça déchire. En vrai, ça déchire. Je suis vraiment fan. Parce qu'en plus, là, vu que j'ai fait un masque différent, je peux faire plus ou moins clair, genre juste comme ça, ou très très foncé. Comme ça. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, par contre, il faudrait que j'apprenne à... Allez, il faudrait que j'aille moins vite, quoi, pour que ce soit plus net, mais... Tous les mardis soirs, c'est live dessin, donc forcément on aura le temps. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Juste. Le but ce serait de le finir pour Noël, quoi. Je suis super silencieux là. Je suis en mode super concentration. Ah ouais. Ok. Le mec, quoi, il est fan de lui. Il fait toujours en sorte d'avoir un reflet de lui-même en toute occasion. Quoi, vous parlez, les gens? Vous parlez de moi? Arrêtez de parler de moi, ça me gêne. Le mec égocentrique. Regarde,
franchement, je pense que là, on a un truc de ouf. Bonsoir, Bird Beer. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, Bird Beer. On a gagné pas mal d'abonnés aujourd'hui, c'est cool. Wow. J'ai un coup de barre. Hein. C'est un vrai œil que j'ai arraché d'un de mes élèves. Ouais, je suis comme ça. Non, c'est pour le décor du film. Je commence à créer les décors du film et du coup. C'est pour vous donner de faire pipi. Vous en voyez beaucoup des streamers qui vous donnent envie de faire pipi? Ah, elle a dit quoi, la petite folle? Il est beau mon œil, hein? Manon M. Manon M, ton pseudo me dit quelque chose. Il est beau, hein? Il faut que j'en fasse plein. Et sur celui-là, il faudrait que je rajoute le nerf optique. Avec de la pâte. Donc il brille, mais pas encore assez. Je vais acheter un produit spécial qui va le faire encore plus briller. Il l'a piqué à Guerre. Ouais, je l'ai piqué à Guerre. Franchement, on a fait du bon boulot aujourd'hui. On a bien bossé ça, c'est vraiment... Bon, ça me stresse, j'ai envie de faire les lignes bien propres. Là. Le Sons, c'est pour... à la base, bon, c'est un truc de jeu vidéo, hein, c'est le Fallout. Mais moi, c'est parce que j'ai une émission sur YouTube qui s'appelle Le Sens. Donc il y a le Sens Ciné et le Sens DVD. Donc Sens Ciné, je parle d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Voilà, pourquoi Sens? Donc c'est le nom aussi de mon format, de mon émission sur YouTube, quoi. Et là, prochainement, il y aura un Sens DVD qui va sortir avec un YouTuber que j'apprécie beaucoup dedans. Qui fait des beaux projets. Qui a sorti un nouveau concept aussi qui est vraiment sympa. Et Sens Design aussi, exactement. Stoko a fait un Sens Design. Ok, ça marche, Stoko, j'irai voir. Ah, t'étais là la semaine dernière, Manon, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour l'invasion des Huns. Bon, ok, ça c'est fait. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. Bon, les lignes sont pas droites, je les referai au propre plus tard et tout, mais ça marche bien. Et de plus en plus petit en plus. En vrai, ça marche bien. À part là, il y a un petit bug, mais... Hop.
Du coup, elle a dit quoi, Talia, sur moi au début de son live? Et on a bien bossé, hein. Tac, 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 tac. Bam! Ah, ça claque de ouf. Qu'est-ce que tu fous sur Toshop? Bah, pour faire du dessin, t'as pas le choix. Je sais, on est tous les deux du pro. Pro Illustrator. Mais là, on n'a pas vraiment le choix là. Pour faire du dessin comme ça, sur Illustrator, je prendrais tout le temps. Tu as déjà écrit. Ah, ok, qu'elle voulait passer, qu'elle pouvait pas. Ouais, mais. J'en ai déjà parlé, moi je peux absolument pas changer de jour. Et elle apparemment non plus, donc on est coincés tous les deux. Parce que moi aussi j'aimerais bien, c'est live. C'est live. Et moi je suis complètement coincé quoi. Merde, putain. Pourquoi? Ah mais oui. Moi c'est le seul jour où je peux stream en fait, le mardi soir. C'est le seul soir où je peux stream. Non, mais en vrai, ça claque ce qu'on a fait. Il reste plus qu'une image de fin là. Déjà, on va effacer tout ça. Ah bah oui, mec. Mec, le cage quoi. Cage. Ouais, dernier dessin de la soirée. Ciao, Stoko. Bonne soirée à toi, rentre bien. Des bisous la petite folle. Repose-toi bien, bonne soirée. Moi, de toute façon, je vais arrêter le stream dans 20 minutes à peu près. Donc là, je termine tranquillement mon petit dessin. Des bisous.
Non, en vrai, ça va l'être, même si c'est un peu hard au début. En fait, on est en train de faire une bande défilée. Donc, ça va être une bande dessinée sur smartphone. L'application devrait sortir. Excuse-moi, j'ai un coup de barre. L'application devrait sortir vers Noël. Coup de barre. Si tu veux avoir plus d'infos dessus, en fait, tu vois, c'est une bande défilée, donc je te montre vite fait. Tu vois, on scroll, etc. Là, c'est les croquis. Je te montre en gros ce que ça, quoi ça ressemble au propre. Voilà, donc ça commence comme ça avec un peu de texte. Donc imagine sur le format de ton iPhone, quoi. Et du coup, hop, voilà. Bande défilée, fichtre, jamais vu ce terme. Bah c'est normal, c'est pas très très connu. Si tu veux regarder, si t'as, tu peux regarder l'application Phalaina, Phalaina. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une bande défilée avec une ambiance sonore, avec du travel, enfin des effets de perspective. Et c'est vraiment cool, en vrai. Et du coup, nous, on va faire le nôtre, quoi. En fait, notre projet de baiser qui s'appelle donc Virus, donc c'est notre personnage, c'est l'histoire d'un virus informatique. Ça fait plusieurs années qu'on bosse dessus en sans trop savoir ce qu'on va en faire, quoi. Et du coup, là, on se met à fond dessus maintenant. Pour essayer de le terminer bientôt. Et en fait, dans l'histoire, dans la bande défilée, quoi, il y aura des choses cachées, des énigmes, des... Et en fait, quand tu vas dans le menu de l'application, si tu arrives à trouver les résultats des énigmes qui sont cachées dans l'histoire, tu peux avoir du contenu supplémentaire. Et ça, c'est plutôt cool. Ton virus a toujours les pieds de lutin. C'est ses tentacules, elles se retournent quoi, elles sont. C'est comme ça. C'est le character design qui veut ça. C'est chelou, non?
Je vais faire une tentacule qui passe sur le visage comme ça, mais. Est-ce que ça fait pas chelou? Est-ce que ça fait pas chelou? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Wow, j'ai un coup de barre, je parle plus. Ça fait moustache, moustache, ouais. Ouais, ça fait trop moustache. Ouais, ça fait trop moustache. Puis y a déjà le bras, ça fait bizarre, ça fait deux trucs. On va enlever cette tentacule. Tant pis. Tant pis pour l'idée. Bon courage pour la bande des filets, ça a l'air drôle. Ouais, merci. Bon, Jigo, bonne nuit. Bonne nuit à toi. C'était une tentacule? Ouais, c'était une tentacule. Bonne nuit à vous, les copains. Toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Il est moins 10. Moi, je devais arrêter à minuit. Ouais, je vais pas tarder à arrêter. Sauf que ça me plaît pas ce que j'ai fait là. Faire un truc comme ça. Ouais, c'est mieux ça. Et là. Voilà. Yo, hey Midar! Un deux MRV! Comment ça, Midar? Tu reviens du. De l'escalade, c'est ça? C'était bien l'escalade?
Bonne nuit, Manon. À bientôt, Manon. Dis-moi, tu connais la chaîne seulement depuis le live de la semaine dernière, non? Est-ce qu'on t'avait déjà vu avant? Excuse-moi, je te pose la question maintenant quand tu pars, mais... Depuis quand tu connais la chaîne, Manon? Si c'est pas indiscret. Et voilà. Yes, pas mal ça. Oh. Putain, on a eu pas mal de monde aujourd'hui. Hein. On a eu des pics à 16 spectateurs. Black et Decker! Comment ça va? À 4 minutes de la fin. Hein. Attends, je vais te montrer Blacky parce que toi, tu mérites de tout voir. T'es là depuis le début du début. Ah, ça fait un petit moment, Manon. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour répondre à 2-3 questions, Manon, ou tu es vraiment fatigué? Je suis désolé, je te les pose maintenant, mais elles me viennent maintenant. Blacky, je te montre parce que toi, ça fait tellement longtemps que t'attends ça. Est-ce que t'as vu ça, Blacky? Est-ce que t'as vu ça, Blacky? Est-ce que t'as la vidéo? T'as vu la vidéo qui parle du projet? Manon, si tu as le temps, je sais pas si t'as le temps. Si t'as pas le temps, c'est pas grave, on fera la semaine prochaine. Je voudrais savoir ton âge, si tu veux bien me le dire. Ta région. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme études? Ou si t'es au lycée ou autre. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans ma chaîne ou autre? Vas-y, pose. Ok. Bah, parle-moi un peu de toi, en fait. Ça m'intrigue. Alors voilà, Blacky, je te montre. Je sais pas si t'avais vu ça. Coucou la boîte de serre. Alors je sais pas si vous le voyez vert un peu sur YouTube. Voilà. Bon, ça je te le montre en exclusivité. Hein. Tac, et du coup après, petite galaxie. Bam. Donc c'est le chapitre 0. Je te montre pas tout pour pas tout te spoiler. Je peux te montrer quelques images. Des trucs non colorisés, des trucs colorisés. Ça. Oh oh. Ça. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire... défiler. Et voilà. J'ai vu sur la planète Terre. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'a plu dans la chaîne qui fait que tu reviens? Est-ce que tu connais d'autres gens de la communauté ou autre? Je vais finir ça. J'ai envie de finir ça.
Ouais, ça avance, ça avance. Doucement, mais sûrement, Blacky. Ah, t'aimes bien les sons au ciné. Ok. Ben, il y a bientôt un sens DVD. A priori, qui devrait durer une demi-heure, mais on est en train de le réduire parce qu'une demi-heure, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Mais du coup, je tilte pas de taf? Si, 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 bien sûr que si. J'ai eu mon concours, j'ai fini mon mémoire. Je suis tranquille. J'ai fini mes études en fait. Ça y est, c'est fini. J'ai un taf. Je suis à Saint-Louis en Alsace. Donc c'est à l'autre bout. Bah, tu sais où c'est toi, Saint-Louis, je pense. C'est proche de chez toi, mais c'est loin de chez moi. Je dois me lever à 5h du matin tous les jours pour être. Enfin, 5h30 pour être à 8h au lycée, quoi. Tu vois. Donc je suis un peu crevé, mais bon, je suis grave motivé. Maintenant que mes études sont finies, je peux mettre à fond dans mes projets. C'est-à-dire, j'ai un gros film bientôt là. Je vais tourner un film cet hiver. J'ai mon film et Virus quoi. Virus que je peux enfin bosser à fond. Sérieusement. T'es à Strasse du coup? Ouais, je vis toujours à Strasse. Je vis toujours à Strasse, mais je fais le trajet quoi. Du coup, Manon, si tu veux partir, excuse-moi de t'avoir dérangé et je te souhaite une bonne nuit. Tu peux partir tranquillement, j'ai plus mes questions. Au plaisir de te revoir, Manon. Plaisir de te revoir. À la semaine prochaine, Manon. Ouais, c'est ça, c'est brut, ouais. T'as bien suivi. Et du coup, je vais bientôt faire une vidéo pour présenter le projet. Même si on a le temps. Mais voilà. Petite musique, ambiance.
Ouais, je sais. Ouais, je dois pas être. Je suis loin de chez toi, je suis à deux pas de la Suisse. Hein. Je suis à deux pas de la frontière suisse, donc je suis vraiment pas loin de chez toi. Saint-Louis, c'est au bout du bout de l'Alsace. Et toi, je sais que t'es pas trop loin du bout de l'Alsace, donc. Ouais, je sais, mais bon, c'est à la moitié du chemin, quoi. Quand je suis à Saint-Louis, je suis à la moitié du chemin pour aller chez toi. Dis-moi, Blacky, t'as des nouvelles des autres? Y a quand même un moment où il va falloir qu'on se voit, c'est clair. Non, mais c'est clair ça. Ça, c'est clair, meuf. Meuf. La boîte à pixels. Salut beau gosse. T'arrives vers la fin, mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Tout le monde est la bienvenue ici, tu sais. Ça, je vais en profiter pour te parler un peu du projet, la boîte à pixels. Ça te dit? J'ai fait quoi, moi? J'ai fait de la merde. Des autres, c'est-à-dire de qui en particulier? Je sais pas, je pense à tous les Twitchers en fait. Je pense à tous les copains Twitchers de l'époque. Mais t'inquiète pas, Pixel. T'inquiète pas, mec, je comprends. Hein. Après, moi, vous savez ce que j'explique à Talia. Moi aussi, j'aimerais bien voir le live de Talia, mais c'est le seul soir où je peux live. Et il faut absolument que je live, sinon mon projet il avancera jamais. Donc, on est tous coincés, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Franchement, les gars. Faut pas trop vous stresser, hein. Je sais que vous, on est potes, on s'aime. Si vous n'êtes pas au live, c'est pas grave. Hein. Faut pas vous stresser, mes loulous. Je finis ça vite fait et je t'explique, ok? Explique mon pixel.
Alors, deux petites secondes encore. Alors, mon petit pixel. Ah, vous êtes vu cet été, Blacky? Ok. Alors, mon pixel. Donc, c'est une bande dessinée d'une BD qui... Oh, merde. Une BD qui sera sur... qui sera sur smartphone. Et on aimerait sortir le projet pour Noël. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est une BD dans laquelle, en fait, c'est une bande dessinée... Je te montre quelques visuels jolis, parce que ça, c'est les brouillons. Voilà. Tu vois, genre, il y aurait des petites ambiances comme ça. Tu scrolles, et là, t'arrives en plein dans la tronche de virus. Et donc, en gros, c'est l'histoire d'un virus informatique qui va un peu prendre conscience de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire pour vivre. Parce qu'un virus, ça doit faire des choses. Enfin, ça détruit des choses pour vivre, en fait. Et voilà, du coup, c'est un peu son histoire dans le monde de l'internet, dans le monde des ordinateurs, dans le monde des fichiers, dans tous ces trucs-là. Et en fait, si tu veux, comme on va le faire sur appli, bon, déjà, il y aura une bande son. Il y aura une bande son, il y aura des éléments de décor qui bougeront moins vite que d'autres. Donc, ça nous permettra de comment dire, de faire, tu sais, des effets de parallaxe un peu. Du coup, voilà. Et aussi, oui, ce que je voulais te dire, c'est que dans la BD, il y aura des trucs cachés. Il y aura des énigmes, des petits trucs cachés dans l'appli, dans l'histoire. Et en fait, dans l'appli, il y aura un endroit où tu pourras marquer ce que tu as trouvé. Ça peut être un mot, ça peut être plein de choses, hein. Et si t'as bon, tu débloques du contenu supplémentaire. C'est pas beau ça. Et donc ça fait plusieurs années qu'on bosse sur ce projet à la base comme une BD. Et on est tombé sur une BD qui s'appelle Falaina qui nous a grave plu de ouf. Et du coup on a décidé de la faire en bande dessinée, sachant que le scénariste de la BD, c'est un pote à nous qui est... C'est un pote à nous qui est... C'est son métier de faire des applications en fait. C'est son taf. Donc là je te montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quasiment... Bah, on a fini cette page-là, quoi. Hop, alors je te zoome un peu. Viens de passer les 500 follow au bout de 2 ans. Mais tu sais, Twitch... Tu sais, Blacky, Twitch, moi, j'y crois plus, en fait. J'avais une assez grosse commu sur Twitch, je te rappelle. Enfin, une grosse commu, ça allait, quoi. Je suis d'accord, je suis pas venu pendant quelques temps, mais quand je suis revenu, plus personne. J'ai fait deux lives de 2 heures de live tout seul. Et quand je suis allé sur YouTube pour faire le même live juste après, là il y avait déjà 20 personnes. Et du coup, moi j'ai abandonné Twitch, quoi. Twitch, je sais pas, j'arrive, je sais pas. Après, j'ai gardé énormément de contacts avec Groupe Pseudo. On va sûrement se faire des petites battles, des petits trucs. On verra ce qu'on va se faire. Merci à la boîte à pixels. C'est ce qu'on a fait aujourd''hui, ça. J'avoue que c'est quand même grave beau gosse qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir nos projets se concrétiser, parce que ça fait des années que c'est dans notre tête et qu'il n'y a rien visuellement. Ouais, je comprends, Blacky, mais il n'y a pas autant d'opportunités que surtout sur YouTube. Enfin, je pense, hein. Moi, c'est mon avis. Après, je trouve que c'est beaucoup plus dur sur Twitch. Dun, dun, dun.
trouver mon pinceau magique. Ouais, ça, je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde du créa sur Twitch. Mais je sais pas. Tu vois, là, sur YouTube, sans que les gens fassent des dons, tu gagnes quand même de l'argent. Enfin, un peu, quoi. Sans que les gens fassent des dons. Et tu gardes des traces de ton truc et il y a des visites. Il y a des gens qui regardent des lives après les lives. Sur Twitch, personne regarde une rediffusion. C'est très rare. Je sais pas, moi je crois plus en Twitch. Voilà. Pour faire court. J'ai passé de super moments. Peut-être que j'y retournerai un jour, hein, je dis pas le contraire. J'ai fait une bêtise. J'ai perdu mes raccourcis. Fuck. Je sais pas. YouTube, il y a tellement plus de monde. En fait, c'est beaucoup plus. Tu touches. Tu impactes plus de personnes. Je suis sûr que tu ferais tout sur YouTube. T'aurais plus de monde, Blacky. C'est quasiment une certitude. Oh putain, bug pas, s'il te plaît. Bug pas, faut que je sauvegarde. Bug pas, bug pas, bug pas. Ouais, j'avoue, ça c'est cool. Même si je vois pas trop. C'est bon, ça va plus. Ok, on sauvegarde. Il y a vraiment des gens qui viennent regarder que des rediffs. Ouais, bah ouais, je pense aussi. Ouais. Non, mais je pense que ça se fait. Bah, YouTube aussi, du coup, tu peux. Mais. Enfin, tu diffuses une vidéo que t'as. Ouais. Ouais. Oh. Ce coup de barre. Ok, faut faire gaffe parce qu'il y a aussi l'autre calque. Attends. Ah, ça demande de la précision. Je pense qu'on y est. Entrée, un dé, ouais, c'est pas mal. Voilà, parce que je voulais que ça soit aligné les lignes blanches là. Akiko! Oui, tout le monde connaît pas, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas, Pixel. Merci beaucoup de ton encouragement. Et je t'inquiète pas, je vous ai pas oublié pour mon court-métrage. Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Ok, Pipix. Bah merci aussi, Akiliko. Bonne nuit, Cyalox. Du coup, demain, tu viens à 14-15 h. Hein. Je compte sur toi. Et voilà, c'est fini. The end. Bonne nuit, la boîte de céréales. Regardez un des décors du film. Bon, il n'est pas fini, hein.
C'est pas encore assez brillant pour que ça soit assez réaliste. J'ai encore le nerf optique à faire et plus de brillance au niveau de l'iris. Ça brille, mais pas assez encore. Ah, Kailiko, avant que je quitte, parle-moi un peu de toi. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes sur YouTube? En vrai, ça claque. Je suis trop fier. Petit virus. Wow, franchement, je sais pas, Blacky. Je sais pas combien ça fait d'années. J'en ai aucune idée. Ouais, je connais Groupe Insta, si tu connais. Ouais. Qui prend en post-bac. Première année dans une école d'ingénieur. Mais attends, du coup, t'es vachement jeune pour une école d'ingé. T'es en bac plus 1, ça veut dire. Respect. À 17 ans, charmé, hein. Et t'es à l'INSA de Paris? T'es à l'INSA de où? De Strasbourg, de... Il y en a plein. Après, tu veux peut-être pas me dire ce qui serait ton droit. Oh, ça fait plus que 2 ans, Blacky. Oh, ça fait plus que 2 ans à mes yeux, hein. Non? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme repère? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme repère? Ah, Kailiko, t'es de Strasbourg! Mais faut qu'on se rencontre! Enfin, c'était d'accord. T'aimes YouTube, tout ça? Ouais, c'est un cursus. L'INSA, ouais, je connais le cursus. Bah, si c'est l'INSA de Strasbourg, je vois très bien où c'est. Moi, j'ai fait ma fac au Palais U. Ok. Blacky, j'arrive pas à trouver un repère. Cool, à Kailiko. T'es un garçon ou une fille à Kailiko, ça fait un peu les deux. Je sais pas. Je veux pas te vexer en disant ça. Ça fait 2 ans que tu fais du stream. J'ai l'impression que c'est au moins 3 ou 4 ans. Je suis un garçon. Ok. Ah, il faudrait qu'on se voit un de ces quatre. J'ai connu Rome via Kir, et Kir, je la connais que depuis que je stream. Ouais. Ok.
Ok. Comment j'ai fait pour le mettre en fenêtre? Tu sais, quelqu'un. Ah, ça va être ça. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, j'ai dû appuyer sur F. Ouais, ça fait que 2 ans, ouais. Akaliko, t'as une chaîne ou pas? Tu fais un peu de vidéo? Ouais, je sauvegarde. C'est la troisième fois que je sauvegarde le truc tellement j'ai peur. Cool. Que je cherche quelqu'un qui serait capable de faire un making of pour un gros projet. T'as Twitter avec Eiko? Je fais du speed drawing. Ah, trop cool. Tu vas te coucher là ou pas? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Personne n'est pro. On est tous à l'essai. On va avoir un message privé sur Twitter et on va converser. Ouais, un petit message privé Twitter et on va converser là-dessus. Alors attends. J'attends et après une fois que c'est bon, je coupe le stream parce que ça fait un petit moment que je devais l'écouter. Et je vais vous faire des gros bisous après. Vous dire à la semaine prochaine. Jeudi pour il y a une vidéo jeudi hein, comme tous les jeudis à 16h42. N'hésitez pas à me dire tout ça. Ta-da-da. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai vu des 2-3 photos, des trucs sur ce que tu faisais, Blacky, t'inquiète. Ah, c'est cool ça, un gros player français. C'est cool. En plus, ils sont vraiment cool maintenant, t'es. J'ai vu un Yoshi, je crois, une patte de Yoshi. Ah, un petit compte Insta. Bah, tu m'as. Je t'ai ajouté? Non, je sais pas. Tu m'as. Si tu m'as ajouté, je vais dû t'ajouter. Au pire, tu m'envoies un message sur Insta et je t'ajoute. 30 heures sur Yoshi. Oh, t'es folle. Mais t'as un plan ou tu le fais sur papier à l'instinct? Enfin, à l'instinct. Comme ça, quoi. Ou t'as un truc. T'as trouvé un truc tout fait sur Internet? Ah ouais, c'est méga chaud. Bon, les lignes elles sont pas du tout bonnes, mais bon, on s'en fout. T'as pas mon Insta?
Mon Insta, c'est... C'est Monsieur Panizard, je crois. Ok, mais ça reste du mérite quand même, il faut le faire. Hein. Ouais, c'est clair. Mais toi, t'aimes bien les trucs longs comme ça. Quand tu faisais du Minecraft avec où tu faisais du pixel, là, des affiches de cinéma qui duraient 3 milliards de plombes là. Comme ça que je t'ai connu moi. La galérienne qui faisait des affiches sur Minecraft et qui faisait deviner aux gens et tout, c'était trop cool. Bah tu m'étonnes qu'elle n'avait pas fini. Vous en pensez quoi de mon petit œil? Même si vous pouvez pas le voir de très près. Moi je trouve ça manque de brillance. Il devrait y avoir une couche beaucoup plus épaisse, genre un demi. Enfin 2-3 mm d'épaisseur. Coucou Télia! La pêche Télia? Je suis en train de dire au revoir là. J'ai fini. Je suis KO. Je me suis levé à 5h du mat. Il est minuit 30. Ouais, l'œil c'est pas mal franchement, mais. Mais. Pour moi ça brille pas assez, c'est pas encore assez réaliste. J'en ai vu des plus vrais. Donc j'ai trouvé un vernis spécial pour ça. Et derrière, faut que je fasse le nerf optique. Parce que là, tout là, il y a des muscles normalement. Toute la moitié. Tout là où il y a mes doigts, il y a des muscles. Ouais, bah, t'inquiète, Blacky, on s'en balèque. Moi, je t'ai connu comme ça, c'est le principal. Bah, tu fais bien de partout, tu t'en fous. T'as tes projets à toi, maintenant, tu fais ton cosplay et tout. Ouais. Oh, je suis KO. 3h30 de dessin non-stop là. Nice. Merci, ma petite Telia. Attends, je vais te montrer un peu mieux. Oh, ok. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, j'avais. Non, ce qu'on a fait ces deux dernières semaines. Voilà. Là, c'est deux semaines de dessin. Enfin, deux lives de dessin. Donc, quelques copier-coller. Mais à chaque fois, ça a toujours été modifié. Et c'est le brouillon, ça. C'est pas le final. Je vais te montrer une petite partie du final. Telia. Ça, c'est juste la partie brouillon. Je suis étonné que tu sois KO. Bah ouais, à 5h du mat, forcément. Ça aide pas. Bon, s'il te plaît, Photoshop. Montre à Telia ce que je voulais lui montrer. Voilà, c'est ça.
Donc, hop. Je te montre pas le début, c'est pas super intéressant. Mais là, on part sur la galaxie et on arrive devant la tête de virus. Et là, c'est beau gosse. Ah, mon œil. Ah, tu m'étonnes, Blacky. T'as appris que t'aimais bien les trucs longs. Merde, j'ai perdu mon œil. Si j'ai perdu l'œil de Goer, il va me tuer. Bon, faudrait que je fasse plein d'autres trucs comme ça. J'ai prévu plein de balles de ping-pong encore. Je fasse ça tranquillement. Bon, allez, les copains, je vais vous dire au revoir. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas à me parler en privé. Twitter ou Discord. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là. Mais ça se voit énormément sur. Sur un ordi, enfin sur le retour, et moi sur mon ordi ça se voit absolument pas. Mais je ferai une transition plus mieux, ouais, clairement. OMG, personne est en live. Ouais. Ouais, mais tu sais, si c'est pas long, c'est pas bon. C'est vraiment plus c'est long, plus le projet est long, plus le projet est enrichissant à la fin, quoi. Sur ce seront mes dernières paroles. Gros bisous à tous. À bientôt dans le prochain live, dans la prochaine vidéo.